Bonsoir mes... Ah bah zut, mauvais écran. Bonsoir mes petites licornes, j'espère que vous allez bien, c'est Unicornis. Et aujourd'hui, on va jouer à Test and Bloom une fois que... Hop! Voilà, j'aurais mis ça sur le bon écran parce que ce jeu doit tourner sur cet écran-là. Et attendez, sur TikTok, faut que je vous mette le bon écran aussi. Oh la galère, j'aurais dû faire ce réglage avant le live, pas pendant. Les petits réglages, hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là, et d'ailleurs on va virer ça, voilà, voilà. Du coup, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous avoue que je suis peut-être un peu fatiguée aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal de sport les derniers jours, notamment aujourd'hui aussi. Donc on va espérer de rester en forme jusqu'à la fin du stream. Je sais pas encore jusqu'à quelle heure est-ce que je vais rester en direct, parce que l'objectif serait de terminer le jeu aujourd'hui, parce que j'ai l'impression d'être à peu près à la moitié du jeu, mais ça se trouve, va y avoir une boucle de gameplay qui va être ajoutée, qui va être archi longue, donc à voir. Coucou, comment tu vas? Bah ça va super Magali, coucou Jade! Coucou Twitwi! Alors, juste au niveau des sons, bah, y a des musiques sur ce jeu, donc je vais virer la musique du stream, voilà, ce sera mieux. Et on va continuer notre partie. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, si, je crois que j'avais fini par trouver le passage où je voulais absolument passer, et du coup... Ah, on est de retour à la base? J'étais de retour à la base. Ah, peut-être, non! Mais non, pourquoi ça m'a ramené à la base? Fallait que je suive le signal au niveau des falaises. Pourquoi ça m'a ramené ici? Bon, on va retourner aux falaises du coup. Coucou Léa, coucou Evie. Non, je dois aller au piano. Oh non, zut Charlie. Après, je pense que je serai encore probablement en live quand tu reviendras. Tu es super belle. Oh, merci Juliette, c'est adorable. Coucou Magic Or, ça va super et toi? J'ai pas fini de faire ce que je voulais avant le live, du coup je vais faire ma petite vie avec toi en fond, ça marche Twitwi. Bah de toute façon, moi ça me va d'être un petit bruit de fond. Ça me va aussi, hein. Je reviens à 19h, tu seras là. Ouais, je serai toujours là. Ah, merci pour... Qu'est-ce que c'est ce cadeau, Zen? Zen a envoyé un cadeau sur TikTok, mais je sais pas c'est quoi comme icône. Un triangle coloré. Merci beaucoup pour ce triangle coloré. J'ai eu mon DS de maths ce matin, JPP, mais au moins c'est fait et ça s'est bien passé. Ah bah tant mieux si ça s'est bien passé. Et au moins t'es libéré de ça, maintenant ça te fait un truc de moins auquel penser. Par contre je sais plus du tout comment est-ce que je faisais pour naviguer ici. Je suis perdue. Ah si, je peux remonter là? Non. Non c'est pas par là que je remonte, si? Non c'est de là que je viens. Ah si, attendez, je crois que je monte là... Ouais c'est ça, non ça c'est le pod. Ça fait 4 jours que j'ai pas rejoué au jeu, je sais plus où et quoi. A tout à l'heure Charlie du coup. Ok donc ça c'est la vallée. C'est pas là que je dois aller si? Je me balade, hein, je me promène. Là il y a l'air de jeu, attendez, je vais ouvrir la carte. Ça va peut-être m'aider pour me retrouver un petit peu. Nous on est ici. Et je veux arriver là-bas. Je réfléchis. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je sais pas. On va falloir trouver un chemin. C'est quoi la mise à jour de demain sur SSO? Ce sera quelque chose en rapport avec le festival équestre. Si, il va y avoir des nouvelles robes de cheval qui vont sortir demain. La robe du Lipizan et les deux robes du KWPN. C'est la vallée de Dana, à peu près ça. D'ailleurs, on a fait un karaoké samedi avec des amis et ma gorge ne s'en est toujours pas remis, mais on avait chanté la vallée de Dana. Dans la vallée, oh oh, de Dana, naninana, dans la vallée, oh oh, j'ai pu entendre des échos. Où est-ce que je vais, là? Mais je suis pas du bon côté, si. Attendez, non, je voulais pas scanner les déchets... Je voulais ramasser les déchets et du coup je vais pouvoir utiliser ce truc qui me projette... Ah! Ah si du coup! J'ai découvert un nouveau chemin. Parce qu'on n'a pas pu passer par là l'autre fois. C'est des confettis que j'ai envoyés. Ah j'avais pas compris!
Moi, visuellement, c'est tout petit et ça ressemble juste à un triangle coloré. J'ai eu la gastro cette nuit, donc aujourd'hui pas de cours, j'en ai profité pour nettoyer mes doudous, j'ai vomi dessus. Bon nettoyage et bon rétablissement à toi. Ah, le pod il est là, va falloir que je l'atteigne. Mais je pense qu'il y a un truc à faire avec ces blocs bizarres. Parce qu'ils sont vachement présents pour ne pas servir de mécanisme de gameplay. Donc là déjà il y a des rampes, on va ramasser l'huile, voilà. Et ça va être la première parcelle qu'on va commencer à planter. Alors, je sors ma pelle. On va commencer par le milieu. Comme ça, les graines, elles se répartissent bien. Vous avez vu, on a de code Starcoin à skip. You're welcome. On peut le faire plusieurs fois. Ouais, mais c'est pas un code Starcoin. C'est un code cadeau tout court, mais qui donne une carotte. Mais oui, on a eu un code Starcoin qui donne 20 Starcoin. Et You are welcome qui donne une carotte. Coucou Anne, ça va et toi? En plus j'ai assez de Starcoin pour les prendre. Ah c'est chouette ça, tu vas pouvoir craquer du coup demain Magic Horse. Bah là on a deux fougères côte à côte. C'est pas le must. Là on a une fougère et une herbe, du coup on va mettre un cactus. Allez, petit cactus qui va là. Là on a de l'herbe à côté de l'herbe, c'est pas folichon. Là on a un arbre à côté d'une fougère. Et si je mettrais un champignon? Ah, ça s'est bien réparti. Là, on a deux plantes différentes. On va remettre un arbre. Ah, c'est nickel. Et ici, je remettrais bien un champignon. Voilà, ça c'est une belle parcelle. Du coup, je vais récolter les graines pour pouvoir replanter après. Coucou Léa, tu prends les trois zenzen? Ça marche. Bah ça m'étonne pas de toi. Hein. En plus je crois que t'aimais bien le KWPN. C'est quoi le jeu? C'est Distant Bloom. C'est un petit jeu... Comment est-ce que je le décris? On est censé coloniser une nouvelle planète, sauf qu'en arrivant sur place, on se rend compte que la planète est totalement polluée. Et du coup, il y a besoin qu'on la remette en ordre. Par contre, j'ai l'impression de ramasser beaucoup de graines. Je crois que j'ai un bug, là. Parce que, attendez, si je regarde mon inventaire, genre, je ramasse plein de graines. Bah si, pourquoi j'en ai 24? Ou alors, il y a une mise à jour sur le jeu pour qu'on puisse à nouveau en ramasser plus, peut-être. Je sais pas du tout. En tout cas, j'en profite, parce que bah, c'est chiant de ramasser des graines à chaque fois. Donc si je peux en ramasser plein d'un coup pour avoir le stock... Pour toute la zone, en vrai, ça me va. J'ai un problème, j'ai pas eu assez de pourcents à ma dictée, donc je vais pas pouvoir avoir mes Starcoin, mais c'est pas grave, parce que j'ai une autre dictée jeudi. Ah bah du coup, va falloir que tu bosses un petit peu ton orthographe. En vrai, c'est bien les parents qui essayent de motiver comme ça, en mode, si t'as des bonnes notes, t'auras une récompense. Je pense que ça marche beaucoup mieux que si t'as des mauvaises notes, on te tabasse. Je pense que le renforcement positif, ça marche mieux. Bah là, il y a des déchets. Mais je sais pas comment est-ce que je peux monter là-haut. Bon, en tout cas, je continue à planter des choses, du coup. Coucou, Ardanax. J'ai pas encore de KWPN, du coup, je vais en prendre un. Ah bah, en tout cas, je te le conseille, Magic Horse. Franchement, ils sont trop cool, les KWPN. Mais oui, du coup, ce jeu, c'est vraiment un petit jeu de jardinage chill. On replante des plantes pour que la planète se régénère. Attendez, là, du coup, j'ai deux trucs côte à côte. Je mettrais bien un arbre. Voilà, ça me conviendrait plutôt bien. Bah, attendez, plutôt de ce côté-là. Je vais mettre un champignon ou alors une herbe. Si je vais mettre une herbe, normalement, ça va se ressemer. Ou pas. Ou pas. C'était censé se ressemer tout seul. Un arbre. Bon, je galère un peu à ressemer les plantes toutes seules là, sur cette parcelle-là. Ah, ça y est, c'est complet. Du coup, je vais re-récupérer des graines. Moi, j'ai craqué sur les deux KWPN de demain. Mais en même temps, ils sont super originales. Et surtout, ils vont être là que pendant la période du festival, donc
S'ils vous plaisent, va falloir les prendre à ce moment-là parce que sinon, il faudra attendre à nouveau un an avant de pouvoir les prendre. J'ai une peur d'enfer. Il y a quelqu'un qui a balancé une bouteille d'alcool sur ma fenêtre. Mais pourquoi les gens ils font ça? Il y a quelqu'un qui te veut du mal ou c'est juste un random bourré qui fait des dingueries? Attends, encore 18 000 starcoins zen zen. Ah bah ça va, t'es large. Tu peux être zen. Voilà, c'est tout pour moi niveau blague. Attendez, j'avais vu qu'il y avait un cristal là-bas. Je tiens à récupérer ce cristal, c'est une ressource plutôt utile après pour mon camp de base. Je suis en train de faire un tapis pour mes schleich. Oh, c'est trop mignon ça, tu l'as fait de quelle couleur? Je vais essayer de passer par là. Oh, un nouvel arbre. Oh, ça me plaît ça. Par contre, je veux le scanner, je veux pas le... Je veux pas le déterrer. Du coup, là, on a de la fougère, on a un arbre. Oh, je mettrais bien un champignon. Voilà, comme ça va se ressemer. Voilà. Ils sont sympas ces nouveaux arbres. Mais je pense que j'aurai bientôt débloqué toutes les graines. Bientôt. Un petit cactus pour changer. Et du coup, ça va falloir le planter à la main. Je vais mettre des graines d'herbe. Voilà. Toutes les couleurs que j'ai. Et du coup, t'as quoi comme couleur? Je lui ai envoyé mon chien, ça va le calmer. Ah bah oui, si t'envoies le gros chien qui fait peur. Bon, ah par contre, si t'envoies le chihuahua, je suis pas sûre que ça va le calmer. J'habite dans des escaliers très fréquentés. Ah ouais, carrément, t'habites dans l'escalier. Pardon, je joue sur les mots. Je te nargue. Coucou, j'étais dans ton live avant la sortie des selles français. Juste pour moi, tu peux dire Marion est la meilleure des BFFSTP. Bon bah Marion est la meilleure des BFF. Dédicace à Marion. En mode Harry Potter, c'est ça. Rangé sous l'escalier. T'inquiète, bientôt va y avoir une chouette qui va te donner... qui va te donner la suite de tes études. APB a été remplacé par les chouettes blanches. Du coup, qu'est-ce que je planterai ici? Un arbre. Et... Un champignon. Ah, ça s'est pas ressemé de ouf, hein. J'avoue que planter en ligne, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Ça se ressème pas très bien. Il y a des cactus. Et... petit champignon. Voilà, belle parcelle. En fait, j'habite dans les escaliers. Il y a une maison dans les escaliers. Stylé comme architecture. Attendez, j'enlève ma pelle pour récupérer les graines. Nous, à la maison, on a des bergers allemands. Et là, on a un poil long en ce moment. Il est trop beau. Et donc, on met dehors toute la nuit. Il y a des cambrioles. Il y a un cambrioleur qui est venu la nuit dernière dans la cour, je suppose, du coup. Ah oui, les bergers allemands, ça garde bien les terrains. C'est plutôt dissuasif. Coucou Unicornier, j'ai une question. Tu joues sur quoi à Minecraft? Même si c'est pas trop le sujet, réponds s'il te plaît. Coucou Ara du Marais. Alors du coup, je joue à Minecraft sur ordinateur. Ok, normalement là j'ai récupéré assez de graines, quoique si je peux re-récolter le cactus. Ça repousse trop vite en fait, je peux les récolter tout le temps les machins. Bah du coup ça c'est bien, ça s'est replanté. En fait, je suis vraiment censée à un endroit précis et qu'est-ce que je fais? J'explore tout sauf l'endroit où je suis censée aller. Je suis insupportable. Oh, un déchet. Du coup, je vais nettoyer ici aussi. Mais bon, dans tous les cas, faudra que je revienne sinon pour re-rendre les zones jolies. Donc autant que je le fasse tout de suite quand je suis là. Avant que le jeu me dise de revenir après, autant le faire tout de suite. Ok, merci, je t'adore. T'es incroyable. Oh, merci beaucoup, Laura du Marais. Le concours interne qu'il y a eu chez moi dans mon club, j'ai fini première sur la prépa 1 mètre. Oh, GG Christophe! Félicitations. Elle sera ultra contente d'avoir une dédicace dans un live MDR.
Bah ravie d'avoir fait une heureuse du coup. Je tenterai bien un cactus ici. Ouais, je vous avoue que c'est pas le gameplay le plus passionnant à regarder, mais je me dis c'est pas mal pour bah, chiller et papoter en même temps. Je sais pas si ça vous plaît les jeux un peu plus chill comme ça. Ah, au fait, je suis désolée pour vendredi de parler que de mon nouveau cheval, désolée. Pas de soucis, Christophe, mais du coup, on compte sur toi pour pas refaire la même aujourd'hui. Est-ce que ça va se ressemer? Non, je crois que j'ai. Ah, bah, je suis bête, j'ai mis deux herbes à côté. Du coup, on va mettre plutôt un champignon, voilà, comme ça se ressème. Et là, par contre, il n'y a pas trop l'embarras du choix, donc on va mettre une fougère. Ça se replante un peu. Et pour terminer. Une herbe. Yay! Juste, tu es galop combien? PS, moi 4, prépa 5. Bah du coup, moi j'ai mon galop 5. Et tu fais tes courses sur SSO Zen? Très bonne idée ça. Faudrait que je le fasse aussi. Enfin, au moins que je farme les jetons du festival. Je vous avoue que le festival équestre cette année, je sais pas. Je rate plein de jours et je trouve ça même pas si grave que ça parce que j'avais pas mal de jetons d'avance des années précédentes. Et bah, je sais pas, c'est la même chose que tous les ans. Au bout d'un moment, je suis moins hype. Perso, j'adore ce genre de live. C'est détente et chill, ça fait du bien. C'est ça, ça permet de se détendre après une journée, peut-être des fois un peu épuisante. Puis ça fait un petit bruit de fond sympa aussi. T'as pas l'impression de rater quelque chose si tu vas qu'à tes occupations à côté. Le pod, il est là-bas. On va aller le chercher. Est-ce que je peux descendre ici? Oui, parce que autant nettoyer ici aussi. C'est dur le galop 5 ou ça va? Bah, le plus dur, c'est la théorie, parce que finalement, la pratique, t'es censé la valider au fur et à mesure dans l'année. C'est pas censé être compliqué un passage de galop pour la pratique. Par contre, la théorie, le galop 5, je sais pas si ça a changé depuis, mais à l'époque, fallait apprendre genre le squelette et les muscles du cheval et. C'était un peu chaud quand même. Tu peux jouer, faire tes devoirs ou autre à côté, c'est cool. C'est ça, c'est vraiment un truc bruit de fond où tu rates pas grand-chose si tu vas que à tes occupations. J'ai pas récolté des graines, je pense que j'en ai plus qu'assez pour l'instant. Bah on va libérer ici aussi. Donc il faut une symbiose parfaite à ce niveau-là pour dégager le gros cube. Moi demain c'est poney. Ah c'est chouette ça Juliette. Moi ce sera jeudi. Le champignon. Normalement, ouais, ça va bientôt me virer du coup ce gros bloc. Par contre là j'ai deux arbres côte à côte, un peu chiant. Du coup je vais mettre un cactus. Ah, l'ascendant m'appelle. Ah, les ascendants m'ont appelé, du coup je vais pouvoir aller. Dans la prochaine zone. Enfin, je vais pouvoir utiliser les prochaines pierres pour me téléporter. Par contre, je vais déterrer ça du coup, parce que j'aimerais bien une symbiose ici aussi. Du coup, on va mettre de l'herbe. Voilà. Et normalement, ça devrait me dégager ça. Voilà. Et du coup, je débloque le passage ici qui me ramène là-haut. Nice. Bon, déjà, je vais aller voir le pod que je dois récupérer depuis tout à l'heure. Faire les choses dans l'ordre un petit peu quand même. Je reviens du dentiste, je suis encore anesthésiée, elle m'a arraché une dent. Aïe! Courage Anaï. Dans l'espoir du coup que l'anesthésie dure encore un petit moment. Parce que arrachage de dent, ah ça fait mal ça. Je suis en train de rentrer dans le mur, c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Par contre, il faut que je retourne à l'oasis. Par où est-ce que j'y retourne? Ah attendez. Si je crois que je peux y accéder par ici. Il me semblait qu'il y avait un portail là-bas. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir retourner dans l'oasis et débloquer le prochain palier de pierre qui me téléporte. Rosenzen! Coucou, je vais pas rester désolée. Pas de soucis, Nina. Coucou, Agnès. Moi, j'ai fait de l'équitation de mes 4 à 7 ans. Ah, c'est bien ça, Inès. Et t'as pas voulu continuer? J'hésite à faire une sieste vu que je suis réveillée depuis 37 heures. La question c'est pourquoi tu ne ferais pas de sieste et surtout pourquoi t'es réveillée depuis 37 heures? Pour quelle raison tu ne dors pas?
Alors du coup, Tantôme est sorti, c'est génial. J'espère qu'il apprécie et qu'il trouve quelque chose à faire. J'étais justement en train de demander, est-ce que vous avez plus de piliers que je pourrais utiliser? Bleu, ok. Bon, bah, je vais pouvoir utiliser les piliers bleus. Ok, du coup, je peux activer le pilier bleu. Ah, je pensais que j'allais activer le pilier bleu, mais pas encore. Enfin, si c'est le bleu, mais du coup, il me reste une couleur. Vous pensez ça va être quelle couleur le dernier? Genre rose? Jaune? Je pense qu'il sera jaune. Bah du coup, je vais pouvoir prendre la porte ici. Ou pas, parce que je l'ai pas encore débloqué. J'ai pas encore été dans le volcan. Du coup, la quête, elle m'a demandé de retourner à l'oasis. Enfin, à l'oase. Du coup, je vais en profiter pour retourner au vaisseau mère. C'est tout ce que j'ai à faire dans l'immédiat, de toute façon. J'arrive pas à dormir, j'ai pris des médicaments, etc. Mais rien. Mais c'est pas normal, ça. T'as été voir le médecin? Par contre, c'est abusé, il y en a dans mon club, les groupes. Ah bah, j'ai pas pu lire du coup. Non, j'ai arrêté parce que ça coûtait trop cher et puisque j'ai un cœur fragile, et bien dès que le cheval accélère, j'avais mal au cœur. Ah oui, ça fait des sensations si le cheval il se tape une accélération d'un coup. Et je comprends aussi les raisons financières, vraiment, c'est pas donné le cheval. Hein. Ça coûte une blinde. Qu'est-ce que je fabriquerai? Bah, je sais pas. Je vais voir s'il y a des nouvelles données à récupérer. J'avoue que là, j'ai pas de quête. C'est un peu bizarre. Ok, on va chercher les signaux dans les sources chaudes. C'est parti. Je vais juste voir si j'ai des choses à bricoler. Non, j'ai rien à bricoler dans l'immédiat. Enfin, rien d'utile. Genre, je peux bricoler des choses pour les donner aux gens, mais ça me sert à rien. Tu ne joues pas à SSO? Non, pas ce soir, Inès. On finit Distant Bloom ce soir. Coucou, Uni, t'as trouvé où ta photo de profil? Sinon, t'es la best. C'est marqué en description, normalement. C'est la petite sœur de Teigi qui me l'a réalisé. Du coup, les sources chaudes, ça doit être vers là-haut. Par où est-ce que je passe déjà? Si. Je sais pas si je vais. Non, je vais pas pouvoir passer par là. Ah, ça c'est un cul-de-sac, c'est embêtant ça. Bon bah on va passer par en bas. Ah oui, il y a un truc de plastique là que j'ai pas pu enlever non plus. C'est vrai que toute cette zone de forêt ici, je l'ai presque pas explorée parce que j'avais pas le niveau qu'il fallait pour l'explorer au début quand j'étais venue. Du coup, attendez, je vais essayer de réparer un petit peu si je peux. Non, je peux pas passer par là non plus. Oh, le giga détour, bah non, je sais pas comment est-ce que je passe de l'autre côté. Par exemple, je suis galop 4 et dans mon groupe, il y a des galop 1. Mais c'est pas normal ça que vous ayez autant d'écart de niveau. Enfin, comment tu veux progresser avec des cours aussi éparses? Désolé, Indy, je vais devoir quitter le live. Bye, je t'adore. Continue. Bisous, le haras du marais, à la prochaine. Oh, mais là, attendez, je vais pouvoir ramasser du plastique. Parce que la zone ici, elle est toute tristounette, ça me fait mal au cœur à chaque fois que je passe, donc j'aimerais bien la nettoyer un petit peu aussi. Et oui, c'était ça le chemin que j'avais pas débloqué, parce que j'avais mis de l'herbe à côté de l'herbe. Et ça, ils aiment pas trop, donc on va mettre un champignon. Voilà. Là, normalement, ça devrait le casser. Voilà. Du coup, je peux passer. Et je vais pouvoir exploiter cette zone. Elles sortent quand les nouvelles robes du KWPN? Demain. À la mise à jour, elles sortiront. Du coup, t'as combien de Starcoin? Je sais pas, je dois en avoir 7000 et des brouettes. Je suis trop contente, je vais passer mon galop 1 pendant mes vacances. Oh, c'est chouette ça! J'ai fait un stage passage de galop du coup. En vrai, je suis un peu déçue parce que je pensais que j'allais réussir à passer mon galop 6 cette année, mais non, j'ai toujours pas le niveau. Sniff, je suis un peu déçue. Mais bon. Fallait s'y attendre vu que j'ai pas réussi à retrouver du travail pour l'instant. Bah financièrement je peux toujours pas faire plus qu'un cours par semaine. Et du coup pour progresser c'est très compliqué. Je planterai bien quelque chose ici. Y a des cactus qui poussent ici, ouais. Ah, c'est bien ça, ça s'est un peu ressemé tout seul. Champignons. Voilà.
Par contre, là, il n'y a aucun effort. La plante, elle aurait pu se ressemer un petit peu toute seule aussi. Bah, je mettrais bien un cactus. Un autre. Ici, je vais mettre un arbre. Et du coup, une herbe. Voilà. Et comme ça, je vais re-récolter des graines. Après, on est en début d'année. Ah ouais, mais je te parlais en année scolaire, Zenzen. Je parle pas en année calendaire. Ça se dit calendaire? Je t'avoue que je suis toujours indexée sur le calendrier scolaire dans ma notion du temps. Tu as quand même un travail en vue ou pas du tout? Franchement, je désespère de plus en plus. Genre, j'ai re-essayé de postuler un peu aujourd'hui. Alors, entre les sites qui fonctionnent à moitié et du coup, t'as un message d'erreur quand tu cliques sur l'annonce pour postuler. Entre les offres d'emploi qui sont archi cringe, où tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie de bosser pour eux? Parce que ça sent un peu le roussi. Et les gars qui me draguent, parce que oui, bien évidemment, quand une fille poste son CV sur LinkedIn parce qu'elle cherche du travail, c'est que clairement elle a envie de se faire soulever, bien évidemment. Franchement, j'en ai marre. Coucou Audrey, coucou Moutarde. J'ai trop hâte d'être samedi, je fais un cours accru. Oh, courage, tu vas avoir mal aux fesses. Coucou Lina TN. Salut, tu connais une salle de gaming à Paris? Pas du tout. Je connais pas du tout Paris de base. Je me suis cassé la jambe au volet, c'est parti pour 3 jours d'hospitalisation. Aïe, bon courage à toi, petit canard. Ça va être compliqué de patauger dans la mare à canard avec une jambe dans le plâtre. Après, ça va dire que les jeunes ne veulent pas bosser, mais quand tu vois le marché actuel, bah entre le marché et surtout les gens qui sont trop chelous, enfin vraiment, je comprends pas là pourquoi on essaye de me gérer alors que juste je cherche du taf quoi. À chaque fois que tu lis mon message, je suis en mode ouais. Bah, j'essaye au maximum de lire tous vos messages. En vrai, ça va quand vous êtes pas nombreux comme ça, je peux à peu près tous vous lire. Et le comportement des recruteurs aussi. Oh non, mais ça me saoule, genre le nombre d'entreprises qui juste ne prennent même pas le temps de te dire qu'ils sont pas intéressés. Genre, enfin, t'as le droit de dire non. J'en voudrais pas aux entreprises si elles refusent mon dossier, mais juste dites-moi non. Pour que je sache que c'est mort et que je passe à autre chose et que je ne doive pas y penser. Parce que du coup, j'ai un fichier Excel dans lequel je note où est-ce que j'ai postulé, à quelle date, pour savoir quand est-ce qu'il faut que je relance. Mais enfin, au bout de la troisième relance, au bout d'un moment, arrêtez de vous payer ma tête, quoi. C'est quand que tu fais une vidéo SSO? Demain. Vidéo mise à jour demain. D'ailleurs, je vais voir si je peux faire un live avant la mise à jour SSO, en attendant la mise à jour. Parce que je vois que Zap il fait ça et ça a l'air de plutôt bien marcher. Et je me dis en vrai de vrai. Bon, la dernière fois c'était exceptionnel parce que la mise à jour a mis 15 plombes à sortir donc il y avait quand même beaucoup de monde. Mais en vrai de vrai, ça intéresserait peut-être du monde d'avoir un live en attendant la mise à jour. Tu as fait des études ou quelque chose? Ouais, j'ai un master en informatique. Et justement, bah, je cherche dans le développement informatique. En plus, j'ai 2 ans et demi d'expérience professionnelle. Et mon dossier se fait quand même refuser parce que pas assez d'expérience. Du coup, au bout d'un moment, je sais pas ce qu'ils veulent le plus. Ok, là, il y a une mini-parcelle. En vrai, les mini-parcelles comme ça, c'est trop nul parce qu'on peut pas y planter grand-chose. Enfin, on peut planter 3 trucs, quoi, mais du coup, ça se replante pas tout seul. Et genre, c'est trop satisfaisant quand les plantes, elles se ressèment toutes seules. Quand j'étais au collège, il y a une éternité, je m'étais pété la cheville au volet. Ah, mais c'est dangereux le volet en plus. Mais en plus, comment vous faites pour vous péter les jambes et les chevilles au volet? Ça se joue avec les mains, non, le volet? Je trouve pas le domaine de Félix dans Orsthèse, la vallée d'Émeraude. Oula, ça remonte à tellement longtemps que je ne saurais plus où c'est non plus là de tête. Hésite pas à voir mon let's play. Sûrement que j'y suis passée. C'est ma tendinite que j'ai aggravée au lycée avec le volet il y a très longtemps. Aïe.
J'ai pété une dent en mangeant du pain. J'ai pété mon appareil dentaire en mangeant de la salade. Mais les dents, ça casse facilement aussi. Enfin, suffit qu'il y ait une fissure dedans et du coup, tu manges un truc random et croc, plus de dents. Voler, tu joues avec tout ton corps. C'est vrai. T'as l'air experte dans le domaine, Nina. Mais Nina et Moutarde, c'est des bots ou pas? Non, c'est des modérateurs. Laura, j'ai quelque chose à te dire. Eh bien, dis-le, la cavalière. Je me suis déplacé le doigt au volet. Bon, ça, c'est un peu la base. Ça m'est arrivé aussi. Enfin, pas déplacé méchamment, mais j'ai douillé pendant 3 jours, quoi. Ça c'est un peu la blessure de base au volet, je pense. Du coup, ça, c'est... Non, c'est un cactus, ça, à côté. Je sais pas, c'est quoi. Non, c'est une fougère, je crois. Ouais, c'est une fougère. Qui s'est replantée toute seule. Ok. Du coup, ici, on va mettre de l'herbe. Voilà. L'herbe ici, elle va pousser. Ici, on va mettre un champignon pour changer. Donc là, on a cactus, cactus, arbre. Arbre, arbre. Ok, donc entre cactus et arbre, on va tester la fougère. Ah, ça s'est bien ressemé ici. On va mettre le classico classique, un peu d'herbe. Et dernière parcelle à replanter, on va mettre un cactus. Ah non, il me manque encore 2 parcelles ici. J'ai rien dit. Bon, qu'est-ce qui va? C'est de la fougère et de l'herbe ici. Je remettrais bien un arbre. J'ai mangé une racine dedans à cause du pain. Bord. Burk. Il sera vers quelle heure demain le live? Bonne question. Ça dépendra déjà de à quelle heure je me lève. Parce que je vous avoue que, genre, ce matin, j'étais mais tellement fatiguée. Je sais pas si j'arriverai à lancer le live genre à 9h30. À voir. De toute façon, vous serez prévenus par les notifications, que ce soit sur Instagram ou sur Discord, ou même directement sur YouTube si vous avez les notifications activées. Je serais capable de me tuer d'essayer à rattraper un ballon avec une raquette. On est tous des bras cassés avec les ballons, mais vraiment les sports de ballon, je ne peux pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je suis vraiment nulle. Vraiment dangereuse, tout ce qui est sport de ballon. Le nombre de fois où je me suis mais ramassée sévère au foot parce que j'ai glissé sur le ballon. Je peux pas remonter ici. Bon, bah, je suis obligée de passer par là. Bah, c'est bien, mais je suis coincée là. Comment est-ce que je remonte? Je vois pas de chemin. Ah, si, là. J'ai rien dit. Les ballons et ma tête ont une alchimie que même moi je ne comprends pas. Ah vraiment, les ballons et ta tête sont magiquement attirés. Coucou Livia! Le Big Vent. Ah, j'avais pas vu Zazu, désolé. Je t'avoue que j'ai TikTok et YouTube en même temps, du coup je zute un peu par-ci, un peu par-là, mais je vois pas toujours tout, je suis désolée pour le vent. Par contre, c'est trop rigolo, genre les points de vue. Ça ressemble un petit peu à des coupe-ongles géants. Et vraiment, l'arc-en-ciel est magnifique. Par contre, j'aimerais bien aller là-bas parce que, pareil, il y a des parcelles un petit peu à planter. En tout cas, les sources chaudes, c'est une très belle zone, j'aime beaucoup. J'ai fait une manchette au volleyball. La balle est allée dans le vestiaire. Ah ouais, t'as super bien visé. Oh, la zone devant, elle a l'air trop belle, c'est le volcan. Le fameux qu'on n'a pas encore accès pour l'instant. Coucou Chloé, comment ça va? Ah mais totalement, je finis toujours par les prendre dans le coin du nez, même en donnant tout pour que ça n'arrive pas. Pareil, en plus au volley, mais je suis vraiment nulle hein, pour envoyer la balle le nombre de fois où juste la balle a fait pang. D'ailleurs, les cours de volley, j'ai jamais eu la moyenne. J'ai toujours été vraiment nulle là-dessus. Je sais plus c'est quoi, ça c'est une herbe, je crois.
Je sais pas, le jeu me le dit pas. Bon, on va mettre un arbre. Voilà, ça s'est bien ressemé. Ensuite, là, on a champignons. Ah, mais on a deux champignons côte à côte. Un peu chiant. Du coup, on va essayer de plutôt planter ici. Mettre un cactus. Ah, mais ça veut pas se ressemer ici. Bon, bah, on va mettre une herbe. Si tu fais un live demain, tu peux faire sur Supermarket, s'il te plaît. Ouais, c'est ce qui était prévu, Agnès. J'avais prévu de rejouer à Supermarket. C'est vraiment juste ce soir, j'aimerais bien finir Distant Bloom parce que le jeu est bien. Enfin, moi j'aime bien. Et j'aimerais bien avoir le let's play en entier sur la chaîne. Je suis déjà fatiguée de ma semaine, vivement le week-end. Oh mais je suis dans le même état que toi Chloé. Hein. Genre vraiment, on est mardi, qui est en théorie comme un lundi. Et j'ai l'impression qu'on est jeudi niveau fatigue. Coucou, ça va? Est-ce que tu pourras faire un live Star Stable, s'il te plaît, ce week-end? Car j'ai un village scolaire... Ah, un voyage scolaire. je sais pas, peut-être. Je sais pas encore mes projets de ce week-end. Je crois que je vais à un concert. Mais ça va pas me prendre samedi et dimanche. Donc oui, à un moment, il y a peut-être moyen que je fasse un live. Moi, j'avais jamais la balle au basket. C'était relou, personne me donnait la balle. Personne me donnait la balle, mais j'en voulais pas aux personnes parce que franchement j'étais vraiment un danger public au basket. D'ailleurs j'ai jamais réussi à mettre de panier parce que juste c'est trop haut. Maintenant j'ai réussi au trampoline park parce que trampoline park il y a des paniers de basket en hauteur et du coup c'est plus facile avec le trampoline en dessous. On finit quand Garden Life? Très bonne question, Anaï. Faut que je réorganise mon jardin dans le jeu avant de reprendre le live dessus. Faut que je me motive à un moment. Bon, on finit par restaurer cette zone. Par contre, la zone ici, elle est vraiment très belle. Oh, une nouvelle plante. C'est un nouvel arbre, ça. Ah non, c'est un animal qui a besoin de soins. Un slender. C'est flippant par contre comme nom pour la bestiole. Qu'il va falloir que j'aille faire des remèdes. Faut que je fasse un remède aussi pour la bestiole du marais. Ouais, ici je vais pouvoir planter des trucs. Je préfère les sports de raquettes. Bah, les sports de raquettes, j'ai du mal aussi en fait. À partir du moment où il y a un truc rond qui s'appelle une balle, c'est trop dur. Alors mon expérience des Slender dans des jeux, c'est pas chill. Ouais, bah oui, pareil, je pense à Slenderman et à quelques mini-crises cardiaques que j'ai eues au collège. Vraiment, je comprends pas le choix d'avoir appelé cette bestiole toute mignonne un Slender. Est-ce que toi aussi, quand tu brosses les chevaux à ton club, tu manges presque tous les poils de mue en ce moment? Parce que perso, j'en peux plus. J'ai de la chance qu'une partie des chevaux soit tondue et du coup ça se limite en termes de mangeage de poils. Mais ouais, conseil pour la saison, jusqu'à mai à peu près, gardez la bouche fermée pendant que vous brossez les chevaux. Ah, mais c'est le chemin de retour à la base. Oh, stylé. Mais faut que j'aille voir l'autre... l'autre probe aussi. N'a pas encore été voir. Vers les sources chaudes. Attendez, je regarde la carte. Bah, elle est là-bas, en fait. Faut que je passe dans la forêt, du coup. Ok. Je suis en train de réfléchir au chemin que je dois prendre. Je préfère faire du sport où on bouge aussi de la musculation et du yoga. Faudrait vraiment que je m'y mette au yoga, parce que vraiment, je suis souple, mais comme une planche. Comme une planche en bois de chêne massif. C'est à peu près mon niveau de souplesse. Mais j'aime bien aussi les trucs qui bougent. Genre l'aquagym, j'adore. Le step, j'adore. En fait, j'aime bien les trucs en musique. Par contre, la danse, non. Parce que j'ai absolument aucune coordination. Et du coup, je suis un peu ridicule quand je danse. Mais j'aime bien les trucs en groupe, en musique. Genre, c'est trop motivant. C'est quand tu vas aller sur le serveur Candy Factory? Bonne question. J'étais sur le serveur 2 récemment. Du coup, le prochain, ce sera le 3.
Bah, du coup, j'en profite pour planter des trucs aussi ici. Tant qu'on est là, on repeuple un peu la forêt, comme ça, elle sera plus jolie. Les line-up façon Madison, là, ouais, c'est trop bien ça. Vraiment les grosses danses au mariage ou aux soirées comme ça, je trouve ça trop stylé. Allez, sème-toi. Ouais. Là, du coup, on a champignons. Ah, on a deux champignons côte à côte, un peu chiant. Là, on a champignons et arbres. Du coup, champignons et arbres, je sens très bien le cactus. Voilà, et bon, ça, faut que je le plante à la mano. Je récupère quelques graines. Coucou Lighty! Comment ça va? Coucou Noah! Les danses de Notati, c'est ça. Mais vraiment, les danses qui se transmettent de génération en génération, finalement. J'étais en sport ce matin, on a fait du renforcement musculaire. Le tout en musique, il y a du monde, c'est très motivant. Vraiment, c'est ce que je préfère. Oh, il y a un truc pour voyager vers le bas ici. Oh, trop bien. Par contre, moi, faut que j'aille. Attendez, je revérifie sur la carte parce que je vous avoue que je suis un peu perdue dans la forêt. Je pense qu'il faut que ouais, je passe là par en bas. Par contre, c'est dommage, on voit pas où est-ce qu'on est sur la carte. Je me perds à chaque fois, mais je pense qu'il faut que je passe par en bas. Oh, mais il y en a un là-bas que je peux pas utiliser. Bon, je peux descendre par ici, c'est déjà ça. Lara, tu peux voir mon message s'il te plaît. Vu. Je sais pas comment est-ce que je suis censée lâcher un vu à l'oral. Tu joues à quoi, pardon? Le jeu s'appelle Distant Bloom. Ça va et toi? Je sais qu'il y a You Are Welcome et un autre, mais je ne sais plus. Est-ce que tu peux me le redire s'il te plaît? Je t'invite à regarder dans la partie short de la chaîne YouTube. J'ai partagé les décodes là-bas. Parce que là, je t'avoue que de tête, je sais plus non plus. Coucou la plus belle, tu vas bien ce soir? Oh! Merci beaucoup pour le compliment. Coucou Hollywood et moi. Oui, je vais bien. Et toi? T'es la baisse de tout YouTube. Oh, adorable. Par contre, je crois que j'ai planté deux cactus côte à côte là. Ouais, c'était pas l'idée du siècle. J'ai pas fait gaffe à ce que j'étais en train de faire. Voilà, ça poussera mieux comme ça. Un peu timide les graines, mais ça pousse. Je mettrais bien un champignon. Et de la pelouse. Parce que moi j'ai cours demain, je pourrais peut-être pas regarder le live. Bah, dans tous les cas, il y aura la rediffusion Magic Horse. Mais je pense que si je fais un live demain matin, en vrai, il y aura quand même du monde qui regardera parce que je crois qu'une bonne partie est en vacances déjà. Alors la grande cavalière, je suis désolée, je peux pas remonter au niveau des messages. Parce que du coup, si je remonte pour toi, tout le monde va me demander ça et je peux pas passer mon temps à remonter à chaque fois dans les messages, désolée. C'est déjà les vacances. Eh oui, tweet, ça va trop vite. La zone C est déjà à nouveau en vacances. Mais en fait, entre la fin de la zone B et que la zone C soit à nouveau en vacances, il y a littéralement 2 semaines de battement. Et du coup, moi, à la base, je me mets à fond sur YouTube pendant les vacances scolaires. Mais là, ces vacances scolaires-là, je vais pas pouvoir parce que, enfin, j'étais déjà à fond sur le mois dernier et j'ai même pas eu le temps de me reposer entre ces deux périodes que théoriquement je dois déjà à nouveau me mettre à fond et vu que je cherche du taf en même temps, juste c'est pas faisable niveau temps. Mais oh, je vais pouvoir utiliser du coup celui-là. Oh, trop bien. Ah, nouvelle forêt, trop bien. Je vais pouvoir scanner cette plante. La zone C, c'est le 6 avril. Ah bon? C'est peut-être la zone A, du coup. Je dis peut-être des bêtises, mais il y a déjà des gens qui sont en vacances. Garden Life, il me fait vite mal au crâne. Je sais pas pourquoi. Je sais pas non plus pourquoi. T'as peut-être du mal avec les mouvements qui sont peut-être trop bruts, peut-être trop de choses d'un seul coup à l'écran qui te donne mal au crâne. Je saurais pas te dire non plus, là. Du coup, petite fougère.
Là, on va mettre de l'herbe. Ou pas. Ah non, parce que c'est de l'herbe. Je suis bête, on va pas mettre de l'herbe du coup. On va remettre de la fougère. Voilà. Et on va remettre de la fougère. Ouais, moi j'aime bien la fougère. Mais en vrai, ça se ressème plutôt bien. Donc, c'est bien la fougère finalement. Un petit arbre. Et un dernier arbre ici. Moi, je suis en zone C et on est va en vacances vendredi soir. Ah, c'est peut-être les Suisses du coup qui sont en vacances. Peut-être ça. J'ai peut-être confondu les zones. Oh, attendez, j'avais encore des trucs à planter ici. Fougères, champignons, on va mettre de l'herbe. Ouais! C'est quand que tu refais un live Star Stable sur le serveur 1? Je sais pas du tout, Mama Roblox. Pour l'instant, je suis au 2. Donc il y a 3, 4, 5 qui doivent passer avant. Tu as fait la mise à jour SSO la semaine dernière, ouais. Mais là, on est mardi, donc il n'y a pas de mise à jour nouvelle. Hello, quand un live Ranch River Shine? Je sais pas du tout. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai pas encore trouvé l'envie de le faire. Il y a les Dapples maintenant en plus. Ouais, il y a les gris pommelés, je trouve ça magnifique, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Ah, cul-de-sac. Je peux pas passer là. Je vais essayer de passer sur ces rondins là. Ah ouais, je peux passer là du coup. Elle est stylée la grosse forêt comme ça, je trouve ça très joli visuellement. Sauf que là, c'est un cul-de-sac. Ok, c'est pas là que je suis censée explorer pour l'instant. C'est pas une zone qui est faite pour moi pour tout de suite. Bon, bah attendez, je reviens sur mes pas du coup. Parce que je pense pas que je puisse aller là-haut non plus. Ah si, je peux peut-être aller un peu là-haut. Ouais, si, je peux explorer par là-haut. J'ai rien dit. Il y a quand même une partie de la zone qui m'est accessible. Pas grand-chose, mais je peux me balader. J'économise pour acheter un cheval KWPN, mais j'ai que 200 Starcoin. Ah oui, va falloir économiser encore un petit peu. Mais un jour, tu l'auras, je pense. J'ai dit à mes potes qui te suivent que t'étais en live, donc elles ont toutes rejoint. Oh, c'est trop gentil, Jack, merci. Bah, bienvenue du coup aux potes de Jack. Comment on devient modérateur si je me trompe les gens avec la molette à côté? Les modérateurs, c'est des personnes que j'ai recrutées au moment où je cherchais des modérateurs. Généralement, quand je cherche des modos, je poste une petite annonce et du coup, les gens, ils peuvent postuler avec lettre de motivation, petit questionnaire, etc. Bon, par contre, là, j'ai une ligne d'arbres. C'est pas terrible. Petite fougère ici, ça me tend très bien. Par contre, j'ai 15 000 graines de fougère. Je pense que j'ai pas besoin de ramasser de graines de fougère avant un moment. Tu vas jouer à Star Stable? Pas ce soir, Noah, mais demain peut-être. Quoique demain, déjà, on va faire Supermarket. Mais peut-être que l'après-midi, je referai un live, peut-être sur Star Stable, à voir. Après, je peux pas faire des lives tout le temps, tout le temps, tout le temps non plus, parce qu'il faut que je monte mes vidéos aussi, parce que la vidéo de dimanche, qui n'est pas sortie dimanche du coup, n'est toujours pas prête. Et j'aimerais bien qu'au moins elle sorte samedi. Ouais, la parcelle est semée. Demain, je vais voir le chirurgien pour savoir si je peux voir le kiné pour remarcher progressivement suite à l'opération du 22 février. Bah, je croise les doigts pour toi, Hollywood, pour que tu puisses remarcher bientôt. Je peux pas passer par là. Ah oui, je peux passer par là par contre. Mais je sais pas du tout si j'étais censée passer par ici. Si, je pense. Si, c'est une zone où je suis déjà passée ici. Ah, mais je vais peut-être pouvoir accéder. Oui, je peux accéder au volcan depuis ici. Très bien. Ok. Surtout que maintenant, je peux enlever l'huile, donc je peux réaménager cette zone. Trop hâte d'être demain sur SSO pour les nouvelles couleurs. Tu vas en prendre. Ouais, je vais prendre les trois, je pense.
Il y a plus de monde sur TikTok. Savoir si je passe sur le PC portable pour modérer sur TikTok plus YouTube. Non, il y a 5 personnes sur TikTok. Il n'y a pas forcément besoin de modérer sur TikTok. Demain, j'achète les 3 chevaux. J'ai trop hâte de trop belles robes. Mais pareil, après, le Lipizan, c'est un petit peu un recyclé du... Comment il s'appelle déjà? Du Passo Fino. Ouais, je crois que c'est ça. Mais j'aime tellement la robe que, genre, ça m'est égal que c'est une robe qui existe déjà. Ah, mais j'ai mis du champignon côte à côte, je suis bête. Hop. Mais j'ai mis du champignon côte à côte et je refais la même en plus. Voilà, cactus. Du coup, ça va partir sur une fougère ici. Voilà. Ça va partir sur un arbre ici. Et fougère. Et ici, de l'herbe. Voilà. Oui, Passofino, j'adore, c'est mon préféré, il est trop beau. Vraiment, je suis trop fan de la robe, donc je suis trop contente de pouvoir l'acheter sur un Lipizan parce que j'aime pas le modèle du Passofino. Enfin, je le tolère parce que j'ai quand même beaucoup de Passofino, mais je préfère large le modèle du Lipizan. Moi, je m'économise pour m'acheter l'Andalou, j'ai que 76 Starcoin RIP. Ah oui! Va falloir économiser un peu longtemps. Andalou de génération 1 ou 3 que tu veux acheter. T'as été au salon du cheval, toi ou pas? Non, j'y ai jamais été pour l'instant. Je vais essayer d'acheter des places pour le salon du cheval Paris 2024. Ça, c'est de l'herbe, je crois. On va essayer de restaurer un petit peu. Bah, pourquoi elle tire autant la tranche cette plante? Mettre un champignon. Un petit arbre ici. Oh! Trop bien, il y en a un qui s'est replanté tout seul là-bas. Je pense qu'un champignon ici, ça ferait pas de mal non plus. Ouais. Et là. Ça va partir sur de l'herbe. Sans trop de... Ah, quoique. Je sais pas si c'est de l'herbe ou de la fougère, si. Herbe. Non. C'est quoi ça? C'est une herbe ou c'est une fougère? Enfin, je vais mettre ici, alors, mon herbe. Je sais pas pourquoi ça a pas voulu me le replanter. Bon, tant pis. Je vais à ma douche, je reviens bientôt. Ça marche, Juliette. Et génération 3 que tu veux acheter? Ah oui, du coup, va falloir vraiment économiser un petit moment. Parce que génération 1, ça va, ils sont plus très chers, surtout qu'ils partent bientôt du jeu. Mais du coup, génération 3, bon courage pour les économies. Moi, perso, j'aimerais bien acheter le Hollandais sans chaud et la Palouza, mais j'ai que 108 Starcoin. Ah, va falloir économiser un petit peu aussi, maman Bobox. On risque de se voir. Ah, c'est possible du coup, Jack. Par contre, juste, enfin, ça arrive que je vois pas forcément tous les commentaires. Ça sert à rien de péter une durite parce que je réponds pas à tes commentaires. Je pense que je peux passer par là. Bon, là déjà, j'ai des déchets à ramasser. Y a un chemin ici? Je sais plus. Je pense qu'il y avait un chemin ici. Je suis perdue. Oh, ça je peux l'enlever maintenant. J'ai les capacités pour. Un peu perdue. Bon, sinon, pour lancer un petit peu un sujet, qu'est-ce que vous avez prévu de manger ce soir de bon? Ah, du coup, l'huile ici, je peux enfin l'enlever. Je vais pouvoir passer aussi. Pizza? C'est bon ça.
Ce moment, il y a beaucoup de codes promo Starcoin, je regarde tous les jours. Très bonne idée ça de surveiller. Oh, une entrée! Aucune idée, je sais pas. Très bien, vous avez mangé de l'eau et de l'air. Comment ça se dit? C'est pas satisfaisant. Satiétisant. Je trouve pas le mot. Ah, là, il y a de la radioactivité. J'ai pas encore ce qu'il faut pour passer dans les zones radioactives, malheureusement. Il me semble que non, en tout cas. On n'est pas déjà passé ici. Je sais pas. Oh, un levier, je sais pas s'il va se passer quelque chose. Des outils de cuisine, ok. Je peux les prendre ou pas? Ouais, je peux... Oh, un artefact! Waouh! Ok. Bah... Pas ouf l'exploration de la zone. Je vais quand même essayer si je peux enlever la radioactivité, mais je pense que je peux pas, hein. Non, je peux pas pour l'instant. Du coup, faudra que je revienne une troisième fois dans cette zone. Moi, je trouve que tu fais ton maximum pour répondre aux commentaires. C'est sincère, que ce soit sur YouTube et TikTok. J'essaye. Mais du coup, je vais vous le dire très honnêtement, hein, si vous me faites un caprice en mode « Ouin, tu réponds pas à un message », juste parce que ça m'agace les caprices, juste pour la peine, je risque encore moins répondre. Mon compagnon a ramené 2 livres de cuisine du Japon. Ah, c'est bien ça. Tu vas pouvoir t'éclater à tester les recettes. Blanquette de veau avec une sauce blanche. Simple mais efficace. C'est trop bon la blanquette. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Unicornis? Coucou mes équitations. Heureux Agnès. Par contre, je comprends vraiment pas par où est-ce que je suis censée passer ici déjà pour accéder à l'Odon. Peut-être par là-haut. Moi, je pense que c'est par là-haut. Hein. Il y a l'air d'y avoir un passage. Ouais, c'est ça. Sans oublier les carottes. Ah oui, forcément, les carottes dans la blanquette, c'est la base. Ok, donc on est au glacier. Super. Je vais pouvoir chercher l'autre truc. Normalement, tout ce qui est en haut, je pouvais l'atteindre. Donc, je l'ai réparé, je l'ai replanté. J'avais pas vu qu'il y avait des déchets ici. Si j'arrive à trouver tous les ingrédients ici, oui. Ah ouais, c'est galère ça souvent pour trouver les ingrédients. Encore plus quand t'es à la campagne. Genre vraiment la misère pour trouver tout ce qu'il faut pour les recettes à chaque fois. Aujourd'hui, on a regardé un documentaire sur la cantine. Bah, j'ai plus faim. Ah ouais, ça donne pas envie la bouffe de cantine. Comme je te comprends. Il y a un petit décalage, donc même les moments où elle regarde le chat, pour nous, c'est peut-être trop tard. Ouais, c'est ça, il y a la latence aussi qui crée des fois la différence entre quand je vois le message ou pas. Les Français, vous êtes en vacances. Moi, je suis suisse, je suis en vacances depuis jeudi. Ah, mais du coup, c'est ça, c'est les Suisses qui sont en vacances. Bah du coup, non, les Français seront en vacances à partir de la semaine prochaine. Il y a plein d'arbres qui poussent dans la zone ici. Par contre, les champignons, ils s'y plaisent pas du tout. Un cactus de neige. Pourquoi pas. Allez, jetez vos graines. Petite fougère ici. Et petite fougère ici aussi. Normalement, ça devrait se semer. Ouais, trop bien. Je récupère quelques graines en rab. Nous, jeudi, c'est frites enfin à la cantine. Oh, trop bien. Mais est-ce que c'est frites seulement pour le premier service ou frites pour tous les services? Parce que je me souviens que quand j'étais au collège, genre des fois, il y avait marqué frites sur le menu. Mais genre frites pour les 100 premières personnes. Et si t'avais le malheur d'arriver après, bah tu mangeais des haricots verts. Hein. c'est pas par là que je dois passer. Je pense qu'il faut que je prenne le truc pour descendre. En tout cas, j'aime trop cette zone enneigée. Oh, merci pour le petit cœur que tu m'as envoyé, Zenzen. Moi, je suis en vacances dans 2 semaines et demie, mais quand je reprends les cours, il y a l'ascension. Ah oui, du coup, tu rentres de vacances pour re-être en vacances, quoi.
Genre la viande, bah c'est pas de la viande, mais un mélange de poudre et de couleurs suspectes. Bienvenue dans la nourriture industrielle. En vrai, je suis en train de me dire, je pourrais peut-être bouger ma webcam de place, parce que là, elle gêne peut-être un peu par rapport à l'interface du jeu. D'un autre côté, c'est pas super intéressant de lire quelle quête j'ai active en ce moment. Bah du coup, je vais prendre ça pour essayer de descendre. Et du coup, t'as 3 semaines. Oh la vénarde. Bah attendez, là non, je reviens sur mes pas. C'est pas l'objectif. Non, non, faut que j'aille par là-bas, mais faut que je trouve un moyen de descendre. Bah déjà ici, je peux enfin enlever le pétrole. Est-ce que tu aimes les lapins en animaux, pas pour manger? Moi je les aime bien pour les deux. Je trouve ça très mignon. C'est des animaux vraiment adorables. Après c'est bon en civet avec de la moutarde aussi. Tout dépend des cantines. Ouais, mais on va pas se mentir, la majorité des cantines font que de la nourriture industrielle réchauffée. La majorité fait plus à manger eux-mêmes juste parce que bah, ils ont pas le temps ni le budget. J'ai mis 2 arbres côte à côte, c'était pas l'idée du siècle. Bah du coup, cactus. Je suis en concours samedi, j'ai trop hâte. Bah je croise les doigts pour toi, Jack, du coup, pour que ça se passe bien. Ça, c'est un arbre, ouais. Ok, la fougère, on a essayé. Je vais essayer une petite fougère ici aussi. Un peu d'herbe. Ok, là ça c'est... Oh! Ça se sème tout seul. C'est tellement satisfaisant. Et je vais remettre un arbre. Re Charlie! Du coup, ça s'est bien passé ta séance de piano? J'ai encore concours dimanche, sauf que c'est avec un jeune cheval, j'ai peur de mourir MDR. Ah, bon courage! Mange pas trop le sable, c'est pas très bon, ça se digère pas très bien. L'intérieur de l'omelette, c'est vert, nous. Ouais, mais c'est parce qu'ils mettent des herbes dedans, non? Parce qu'ils mettent une sauce, non? Rassurez-moi. Je voulais pas du tout déterrer cette plante, RIP petite plante. Je dois partir car je m'entraîne dans un club, je suis en internat, donc là j'ai cours, bisous. Bah bisous Jack, à la prochaine. Pour vous dire, j'ai pris un Happy Meal aux US, c'était vraiment minuscule, genre le paquet de frites en France, il est petit, bah aux US c'est encore pire. T'es sûr? Parce que les USA, normalement, c'est connu pour la deux mesures, hein. Ou alors c'est juste qu'ils ont plus de taille et du coup tu t'as vraiment pris le mini 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 paquet. Quoi est-ce que je vais pouvoir descendre ici? Parce qu'il y a toute une zone en bas, je ne sais pas du tout comment y accéder. Coucou Charlie! Ça marche. J'ai vu que tu changeais d'une plateforme à l'autre. Ah oui, je peux enlever du coup enfin le pétrole. J'ai une photo de comparaison avec ma main. Ouais, mais ça se trouve, t'as juste des très grandes mains. La meuf qui essaye de trouver des excuses. Je suis pas sûre que je suis censée redescendre, mais je pense que j'aurai un passage à débloquer ici. Enfin, je pense. J'espère. Oh! Il y a un raccourci à débloquer ici. Attendez, déjà je vais prendre ça. Ça va me faire arriver ici. Ce qui m'avance pas de beaucoup. Je pense que là je suis en train de revenir en arrière. Bah ouais, c'est pas du tout là que je veux aller. Ah, misère. Coucou Kevin, comment ça va? Mais vraiment, je me perds sur ce jeu. Mes mains sont rikiki pétées d'herbe. Bah je sais pas alors.
Ah, mais vous avez vu le documentaire sur le gars qui mange McDo tous les jours? Je l'ai vu aussi en cours de SVT, mais on a tous eu la même scolarité, je crois. Là, il y a de la neige profonde. C'est pas non plus là que je suis censée passer. Oh, je suis perdue. Je comprends pas comment je suis censée descendre. Là, il y a une petite bébête. Là, il y a le pod fermé. En fait, je comprends pas comment activer l'autre statuette. Ah, si, là, il y a un nouveau truc. Je sais pas si je l'ai déjà activé, cette porte. Je crois pas si je l'ai déjà activé. Bon, bah, on revient en arrière. Je vais te laisser, Laura, je vais aller manger. Ça marche, Léa, bonne app. Bonne blanquette à toi. Du coup, je me suis pris un McDo sur le retour. Ah bah, pile dans le thème, Kevin. Parfait. Et lui, je peux toujours pas l'utiliser. Comment est-ce que je descends dans cette zone? Un vrai labyrinthe. Moi, Tales of Rain Ravine Bug. Est-ce que ton PC est assez puissant pour faire tourner le jeu? J'ai vu que le jeu Supermarket va sortir sur tablette, je suis trop contente, ça sort normalement en août. Oh, c'est génial ça! Plein de monde vont pouvoir y jouer du coup. Et là, je reviens sur mes pas. Mais je ne comprends pas comment... Comment descendre? Ça me dépasse. Là, j'ai fait le tour de cette zone en long, en large et en travers. Je pense qu'il doit y avoir un autre passage. Attendez, je regarde la map vite fait. Bah, je sais pas, faut que je passe par Hot Springs pour y aller. Par les sources chaudes. Attendez. On va revenir en arrière. On va essayer d'aller aux sources chaudes. Peut-être que vraiment depuis les sources chaudes, je trouverai un chemin d'accès parce que là, je ne trouve pas. Je sais pas, je vais bientôt le changer, mais je sais pas lequel prendre. Faut que tu regardes la carte graphique et le processeur. C'est ce qui est le plus important dans un ordinateur pour ses performances. Tu vas faire une vidéo sur Equestrian The Game, il y a bientôt la saison 15. Franchement, mon envie de jouer à Equestrian The Game est actuellement inexistante. Tu live jusque quand? Je sais pas du tout. À voir. J'aimerais bien essayer de terminer le jeu ce soir, mais si jamais ça dure trop, faudra qu'on fasse un troisième live. Ok, donc là je suis aux sources chaudes. On va essayer de passer par là. Maintenant que je peux utiliser les trucs bleus, il y a peut-être un nouveau passage qui s'ouvre à moi. Ah, mais c'était juste là! Wouhou! Et du coup, ça me fait arriver par là. Je tournais en rond depuis tout à l'heure pour rien en fait. Fallait que je fasse un détour. Il y a trop de live en même temps. Bah, c'est ça de soutenir trop de créateurs en même temps, Zen. Donc ça va se planter tout seul. Et on va mettre une petite herbe ici. Voilà. Bon, j'ai mis des herbes à côté des herbes, c'était pas le move du siècle, mais bon. Les plantes, elles sont contentes, donc c'est l'essentiel. Je suppose que c'est ici que quelqu'un parlait de la sortie de Supermarket Simulator, c'est une fake news. C'était même pas ici, Nina, en plus, mais c'est bien que tu dises que c'est une fake news parce que je ne le savais pas du tout, moi. Tous les Coréens live presque. Ah! Mais avec le décalage horaire, ils commencent pas à live super tôt du coup.
C'est un autre studio qui a repris le nom du jeu et qui utilise les images du jeu officiel. Oh, mais c'est pas réglo du tout, ça! Bisous, je vais manger et tu seras là à 20h. Je pense qu'il y a de grandes chances que je serai encore là à 20h, ouais. Bah, bon app à toi. Oh, un nouveau cactus! Oh, trop bien! Laissez-moi le scanner. Il a pas l'air commode, par contre, ce cactus. Ils ont 7 heures d'avance, donc ils live très tôt et très tard. Ah, hein, ils sont insomniaques comme toi, en fait. C'est quoi le but du jeu? Ah oui, carrément, deux fois la même question au même moment. Alors, le but du jeu, c'est de repeupler... Enfin, de replanter la planète. Parce qu'elle est totalement polluée, et du coup, faut qu'on la dépollue pour la rendre habitable à nouveau. Et du coup, on fait ça en résolvant des puzzles avec des plantes. Tu me conseilles quel ordinateur pour Tales of Rain, Ravine? Alors là, de tête, je ne saurais pas du tout te dire. Je te conseillerais vraiment de regarder quels sont les prérequis pour faire tourner le jeu. Puis de choisir un ordinateur qui répond à ces prérequis. Attendez, c'est de la fougère ou de l'herbe, ça? C'est de la fougère, on va mettre de l'herbe, du coup. Voilà. On va mettre un peu d'herbe ici aussi. Décidément, ça n'a pas envie de se planter seul ici. Mais c'est parce que j'ai de la fougère à côté de la fougère. Repeupler la planète. Bah, de plantes, oui. Mais on n'est pas là pour repeupler l'espèce, non. Il est 2h du matin en Corée. Ouh. Quelle idée de faire des lives à une heure si tardive ou si tôt. Juste l'herbe, elle est trop chelou. Bah, c'est des plantes extraterrestres, c'est normal qu'elles soient différentes. Je récupère plein de graines pour pouvoir justement replanter. Notamment ces nouveaux cactus que je ne connaissais pas encore. Du coup, c'est parti pour les prochaines zones. Je peux pas faire le tour par là, très bien. En tout cas, on va faire le tour par là. Oh, il y a des déchets là-haut. Les devs sont au courant, donc ils vont sûrement s'occuper du truc. En attendant, à part prévenir tout le monde que c'est fake, ils peuvent pas faire grand-chose. Bah ouais, j'espère vraiment qu'ils vont leur envoyer un procès, parce que enfin c'est casse-pied des gens qui censurent comme ça le développement d'un jeu. Oh, une nouvelle plante. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, un nouveau champignon. Nice. Bon, du coup, continue de planter. Il y en a un qui est dans les mêmes études que toi en plus. Ouais, mais je pense qu'ils le font de manière un peu plus hardcore que moi, je pense. Et une petite herbe. Je voulais pas retirer. Ah, je suis un boulet. Pardon, petite plante qui n'a rien demandé. C'est quand que tu rejoues avec Estrian The Game? Pas de si tôt. Vraiment, les dernières décisions qu'a pris le jeu, je suis pas du tout d'accord avec. Et du coup, bah, j'ai plus envie d'y jouer. Pour l'instant, en tout cas. Tu sais si le jeu va sortir sur Switch? Je sais pas du tout si c'est prévu ou pas. Je suis décalée encore avec le changement d'heure. Oh, pareil. Franchement, c'est trop dur de se lever le matin parce que du coup, en fait, il est en réalité l'heure plus tôt. Oh. Oh. Rien que parler du changement d'heure, ça me fait bâiller, pour vous dire. Il faut regarder quoi sur l'ordinateur pour Tales of Rain, Ravine? Carte graphique, processeur, mémoire vive. Et une petite pelouse pour ici. Tu m'as fait bâiller, merci. Mais de rien, c'est parce qu'on est connecté émotionnellement.
Après, je bâille aussi quand des chevaux bâillent, donc je suis facilement émotionnellement connectée avec les gens. Attendez, c'est pas le chemin qu'on avait pris tout à l'heure, c'est... Oh, misère. Oh, j'ai pas fini de bâiller, moi. Mais du coup, ça c'est le chemin qu'on a pris tout à l'heure, mais du coup, ça m'aide toujours pas sur comment est-ce que j'arrive à l'autre zone. Ok, là, y a des déchets. Tu m'as fait bâiller toi aussi, Juliette. Désolée. Demain, j'ai une dictée, une éval de maths. Bah, bon courage, Hollywood. Bah non, je peux pas passer là-bas non plus, mais... En fait, je descends pour être coincée, quoi. Ah, bah non, je dis des bêtises, je peux passer là-bas. En fait, le chemin, depuis tout à l'heure, était accessible. J'ai fait un détour pour rien, quoi. Ah, il y a un déchet là aussi, faudrait que je pense à le récupérer de l'autre côté. Oh! Zone à planter. Nouvelle pierre de téléportation. Je fais un peu le tour de la zone pour voir où est-ce qu'il y a des choses à récupérer. Parce que c'est une très grande zone. Donc on va récupérer les déchets puis planter ici. Alors pour moi c'est simple, soit tu bailles, soit tu dis juste le mot et on ne m'arrête plus. Mais là j'ai rien que... C'est vrai que... J'ai dit bailler, ça m'a fait bailler. Mais je vous jure, je suis archi fatiguée aujourd'hui. Donc c'est normal que je baille autant. Coucou, je viens de rentrer de l'école. Coucou, c'est 19. Comment ça va? J'ai fait un projet à l'école sur le bâillement. Quand tu bailles parce que tu as une autre personne baille, c'est à cause des neurones miroirs qui reproduisent le mouvement. Oh, c'est trop drôle ça. Genre le mimétisme. C'est genre arrête de faire comme moi. Arrête de faire comme moi. Ah, trop drôle. Qu'est-ce que je mettrais bien ici? Un petit cactus? J'ai giga planté des cactus là. Beaucoup de cactus. Non, vous voulez pas m'envoyer une graine? Tant pis. Ça va partir sur une fougère du coup. Ça va très bien. Ah bah c'est chouette du coup. Mon dieu, tu vas me tuer. Bah oui, je vais te faire bâiller en boucle. Genre je fatigue mes modérateurs, mais au sens propre du terme. Je les fais bâiller. Ce matin, je me suis levée à 7h30, je suis restée dans mon lit une demi-heure, je peux te dire, à 8h, j'étais apeurée parce que j'ai école à 8h30. En gros, le portillon s'ouvre à 8h20 et se ferme à 8h30. Ah oui, du coup, fallait que tu te dépêches pour aller à l'école. Je vous avoue que moi, le matin, je suis archi longue à me préparer. Du coup, je suis toujours debout 1h30 avant de sortir de la maison. Ce qui est assez chiant parce que je perds beaucoup d'heures de sommeil, mais... Je mets du temps à me préparer. Coucou Eva, non, je vais pas jouer à Star Stable ce soir. Je sais bâiller sur commande, du coup j'aime trop embêter mon père avec ça. Oh, trop drôle. Par contre, le gosse infernal, du coup. Genre, il peut te dire, oh, tu me fatigues, mais au sens propre du terme. Ici, qu'est-ce que je tenterais ici? Je tenterais bien un arbre. Il y a des arbres qui poussent ici. Ouais. Et bon, ici, il n'y a pas grand-chose que je puisse planter si on va mettre de la pelouse. Ouais. En vrai, c'est cool de modérer tes lives. C'est chill la commu et en soi assez tranquille, j'apprécie. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, les gens sont sages. Ça fait plaisir. Il y a des périodes, des fois, où il y a un peu plus d'activité de manière générale et que du coup forcément il y a plus de débordements, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt chill. RIP, moi qui me lève tous les matins à 5h. Ça a du courage, Kevin. Après, en vrai, je pense que je vais finir par y passer aussi hein, parce que j'arrive pas à trouver du travail sur Amiens, donc je commence à postuler sur Paris. Sauf que j'ai regardé, genre, il y a pas mal de boîtes informatiques qui sont à Boulogne-Billancourt, j'en ai pour 2h30 de transport simple.
Donc 5 heures de transport tous les jours. Genre, autant rester au chômage, quoi. Allez, semez-vous. Là, ça me libère le chemin. Non, Eva, ce soir, c'est Diston Bloom. Le pire, à 16h15, quand on est rentré de la récré, puis genre, oui, encore un quart d'heure, j'ai crié dans la classe. Mais pourquoi tu hurles dans la classe? Et non, je live pas sur Twitch, je live sur YouTube, Eva. Ouais, 5h, ça pique. Genre, c'est l'heure à laquelle certains se couchent. Je me lève à 6h42 ou 44, je sais plus, alors que j'habite à 300 mètres PTDR, ça me fait plaisir de me lever tôt. T'es un petit peu maso sur les bords, non, Nina? Bah, au moins, t'as pas d'excuse pour être en retard, quoi. Tu peux pas dire, ouais, problème de transport. Ton transport, c'est tes pieds. Donc, à moins que t'aies marché sur un clou, y a pas de raison que tu sois en retard. J'admets, je me lève rarement avant 10h. Bah, je t'avoue que la plupart du temps, je me lève entre 8h et 9h, ça dépend. Parce que je me couche tard et du coup, si je me lève tôt, j'ai plus assez de sommeil. Faudrait que je prenne l'habitude de me coucher plus tôt. Ce serait peut-être plus sain. Mais tant que j'ai mis 8 heures de sommeil par jour, en vrai, un peu osef du reste. Du coup, là, je vais là. Ok. Ok, ça me fait explorer des nouvelles zones. Je dirais pas mes heures de lever parce que je vais me faire lyncher. Ça sent le midi. Midi aux 13h, ça. Oh! Un autre portail. Par contre, j'ai pas des mouchoirs. Non, j'ai pas de mouchoirs. J'ai le nez qui coule, mais du coup, va falloir que je me mouche avec du PQ parce que j'ai pas de mouchoir. C'est très classe tout ça. Pour être honnête, c'est le robot SP qui me réveille. Certains se font réveiller par un chien, certains par un chat, d'autres se font réveiller par le robot. Je cherche un bac pro ou du boulot dans la vente. C'est épuisant d'avoir que des refus par manque d'expérience. Mais du coup, je peux pas avoir d'expérience si je peux pas travailler. Mais j'ai le même problème. Je comprends à quel point c'est chiant. Vraiment, t'as tout mon courage. Je vous avoue que je zappe un petit peu les dialogues. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Là, il y a de la radioactivité de laquelle je ne peux rien en faire non plus pour l'instant. Là, je récupère un nouvel artefact. Oh, Broken Jukebox. Oh, on pourra écouter de la musique après à la base. Je vais manger à tout à l'heure, peut-être. Ça marche, Juliette. Bon appétit. Pour ma défense, je bosse souvent jusqu'à 22h. Je fais ma vie jusqu'à 2h, mais j'essaye de reprendre un rythme correct, mais en restant dans mes besoins. Bah, en vrai, c'est pour ça aussi que je me lève tard. C'est parce que je bosse jusque tard. Genre, quand je live jusqu'à 22h, 23h, bah, le lendemain, je suis pas debout à 8h, quoi. Enfin, on verra bien ce que ça donnera quand j'aurai repris un travail salarié. Comment est-ce que je vais gérer mes horaires à ce moment-là? Je pense que je serai beaucoup moins active sur YouTube le jour où je retrouve du travail parce que juste c'est pas faisable de gérer les deux à temps plein. Bon. Bah du coup là je suis partie. Là, mais c'est pas du tout là. Enfin, c'était un peu un cul-de-sac ici. Ah mais attendez. Je suis bloquée ici. Ah non, c'est bon, j'ai pu descendre là. J'allais dire ça, là si ça me bloquait là-haut et que je me tape un giga détour. Un peu le seum. Mais du coup, là, c'est le haut du glacier. C'est pas du tout là que je veux aller de base. Si. Attendez. Je vais regarder la carte. Où est-ce que je dois aller? Parce que là, du coup, je suis dans le glacier. J'ai un truc à récupérer dans le glacier, mais où? Bonne question. Laura, tu vois, j'ai réussi à sauter samedi à cheval alors que j'avais peur. Oh, c'est chouette ça que t'aies réussi à vaincre ta peur. Ah, mais le truc il est en bas, mais. En plus, on était passé devant, mais là pour le coup, c'est moi qui suis un peu bête. Hein, parce que j'étais en mode ouais, on part explorer et tout. Je suis partie explorer et j'ai totalement oublié où était le truc de base.
Je peux m'en prendre qu'à moi-même sur ce coup. Coucou Zoé. Bah du coup, attendez, je vais redescendre par là-bas. Si t'es là-bas, le pilier. Du coup, concrètement, je check les chaînes Discord, même la nuit, je vous surveille. En vrai, c'est bien d'avoir toujours au moins un modérateur de connecté pour justement bannir dès qu'il y a des dingueries, genre comme aujourd'hui. Quand il y a des trolls qui débarquent, comme ça, on les met dehors direct. Tu connais Morgan Moncom... Pas du tout, je connais pas du tout. Ok, on a réparé la tour de communication. Donc on va retourner voir l'ancien. Ouais, c'est parti, on rentre. Oh, le plastique que je devais ramasser. Nice. Du coup la zone est propre maintenant. Avant j'avais demandé plus bas et après j'ai fait plus haut. Bah c'est bien ça. Tu te mets en confiance sur des petites hauteurs et après t'enchaînes. Enfin, et après tu déroules sur plus haut. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Bah du coup... Allez, téléportation. Voilà. Retournons à la base, au vaisseau mère. Je crois que c'était quelque part ici ou pas. Ok, donc les sources chaudes. En vrai, les sources chaudes, je pense qu'on a presque fini de réparer les trucs ici. Sauf s'il y a un animal malade encore qui traîne, mais sinon je pense qu'à part ça, on est bon. Par contre, je crois que j'ai fait un giga détour. Non, si, c'est bon. En plus, c'était avec le poney que j'étais tombée. Ah, du coup, tu t'es remis doublement en confiance. T'oses à nouveau sauter et t'oses à nouveau sauter avec le poney qui te fait un peu peur. C'est bien ça. C'était par là. Allons voir l'ancien du coup. Maintenant que la tour de communication est réparée. J'espère qu'ils vont m'apprendre à utiliser du coup la radioactivité aussi. Coucou Valmé, comment ça va? Allez l'ancien. Ancien, tu vas bien? Je ne peux le cacher encore. Mon corps devient faible. Je suis peur que ma sagesse est due. Non, ça ne peut pas être le cas. C'est trop tôt. Pourquoi tu cacherais le fait d'être malade? Avec tout ce qui se passe, je ne voulais pas créer plus d'angoisse. Mais j'étais tellement préoccupée pour garder les apparences que j'ai failli mon rôle d'ancien. Ce n'est pas vrai. Tu es gentil. J'espérais qu'un nouveau ancien prendrait ma place, mais les choses paraissaient incertaines. On doit utiliser le temps correctement du temps qui nous reste. Bon, du coup, il est malade, il veut garder le secret. Oh, c'est triste. Il va mourir, l'ancien. Ça veut dire quoi, 42 160? C'est le nombre de personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Uzluk, oh, c'est dur. Oh, on dirait que t'avais un chunker. Qu'est-ce qui est arrivé? L'ancien, il dit que sa vieillesse... Oh non, j'annonce du coup le décès aux autres. Oh non, c'est trop triste. Bon, faut que j'aille à la tour. Mais je veux juste voir si j'ai des choses à concocter avant. Bah, en vrai, là, c'est que des cosmétiques. C'est pas super utile. Gelé, bof. Il y a des choses à faire là-dedans. C'est pas dans le vaisseau, si. J'aimerais bien aller voir Reza pour qu'il me concocte les remèdes pour les autres animaux. Si je le retrouve. Mais je pense qu'à l'heure qu'il est, il doit être chez lui. C'est pas Reza, ça, si. Ah, mais... Ça, c'est les constructions. Non, c'est pas ce que je cherche. Il est où, le cuisinier? Bah, il est là, le cuisinier.
C'est Ban, j'ai confondu Ban et Reza. Du coup, antidote 2. Ah, j'ai pas ce qu'il faut, il me faut des fleurs gelées. Et antidote 3, il me faut d'autres choses encore. Bon, bah attendez, je vais refaire de la gelée du coup après pour pouvoir récupérer des ressources. Parce que c'est vrai que pour l'antidote, il me faut des ressources. Est-ce que j'accède à la tour déjà par ici? Non, activons la tour de contrôle. On devrait avoir assez de portée pour contacter le satellite. Je ne veux pas parler à l'enfant à nouveau. Station impériale 04C. Oh, c'est vous? Hein? Quoi? On doit parler à un altérien officiel. Nous avons une situation de danger de mort ici. Oui, je travaille pour le gouvernement maintenant. Souverain Merdep 3 a aimé mon podcast, du coup il m'a offert un job. Oh non, trop chiant. Bon, du coup on va essayer de maintenir l'ancien en vie, quoi. Tu fais combien de lives par semaine environ? Je sais pas du tout, ça dépend de mes disponibilités et de mon envie. Ça me gratte le bras. Vous pensez que c'est déjà le retour de la saison des moustiques ou pas? En ce moment, tu fais beaucoup de lives, pourquoi? Juste simple question. Parce que j'ai le temps et l'envie, tout simplement. Il y aura quoi dans la mise à jour de demain? Demain, il y aura les KWPN et les lipisants des nouvelles robes. Bon, du coup, on parle d'essayer un nouveau traitement pour l'ancien. Bah, je pense que ce qu'il faut, c'est réparer la planète pour qu'elle soit à nouveau viable et qu'ils guérissent avec l'air frais. Coucou Chloé, comment ça va? Tu sautes, tu dresses jeudi. Moi, perso, demain, je saute. Alors, nous, jeudi, ce sera dressage. Allez, on doit faire quelque chose pour sauver l'ancien. Du coup, on va chercher des substances. Qu'est-ce qu'il me faudra? Faut qu'on trouve Médéri. Ah, il va peut-être me permettre de récupérer la radioactivité. Comme ça, on va faire une chimio avec l'ancien. Je sais pas si c'est ça le projet. Ok, donc on va utiliser le banc pour améliorer l'exomulti et du coup c'est certain, là on pourra utiliser la radioactivité parce que c'est le dernier outil qui nous reste en fait. Il y aura combien de robes demain? Trois en tout. Allez, le nouveau exomulti. Du coup, je fais quoi? Je vais chercher les matières radioactives ou pas? Oui. En retournant dans les ruines, du coup. Allez, c'est parti! Bon, par contre, là, du coup, j'ai pas du tout de pointeur sur la carte pour me dire où sont les ruines. Faut que je me débrouille pour les trouver. Bah, c'était quelque part par là, je crois. Mais au niveau des sources chaudes, il y a toujours des zones que j'ai pas activées, hein, parce que c'est toujours un peu gris. Genre ici, pourquoi j'ai jamais fait cette zone-là? Nettoyons ici déjà! Pourquoi j'ai jamais mis en état cette parcelle-là? Je ne sais pas. Je dois y aller, bye et bonne fin de live. Ça marche, Michel, à la prochaine! Non, j'ai dépensé tous mes Starcoins dans un nouveau cheval hier, PTDR. Bah, c'était marqué sur la feuille de route pourtant qu'il y aurait des nouvelles robes demain. Je testerais bien de la pelouse ici. Ouais, pas mal.
un arbre pour changer. Ah ouais, là ça s'est bien replanté, il y en a trois qui se sont replantés à la fois, du coup il me reste un dernier truc à replanter. Parfait. Non? Il reste encore une parcelle? Ah oui, j'avais pas vu, il y en a une ici. Quand j'ai vu qu'il y avait plus de Starcoin doublé, j'ai crié dans ma chambre, non, j'avais fermé la porte. Mais tu passes ton temps à crier, Christophe, non? Est-ce que tu cries en classe, tu cries dans ta chambre? T'as des petits soucis de contrôle de tes émotions, je pense. C'est qui ta ou ton youtubeur préféré? Bonne question. J'aime beaucoup Sir Gibbsy. J'aime beaucoup Tartiflex. J'aime beaucoup Sir Giovanna. Mais genre c'est pas mes préférés. Je suis pas là à les suivre de partout, juste j'aime bien leurs vidéos. Coucou Léa! Comment ça va? Moi du coup, on va prendre la petite pierre pour se projeter de l'autre côté. Parce qu'il y avait... Il y avait des ruines quelque part ici. Bon appétit, c'est 19. Et merci beaucoup pour le compliment, c'est adorable. Coucou Laura, c'est quoi le jeu? Je ne connais pas. Coucou Sacha. Du coup, le jeu, c'est Distant Bloom. En gros, on est un alien qui vient sur une planète qui était censée être habitable à la base. Sauf qu'en arrivant sur place, on se rend compte qu'elle est totalement polluée et du coup, on doit la dépolluer. Par contre, je me souviens qu'il y avait une ruine quelque part, mais où est-ce qu'elle était? Le jeu, pour le coup, est pas sympa. Hein. Le jeu aurait pu nous mettre des marqueurs sur la carte. Ah, mais c'est un truc qui est actif que de nuit, ça. Et là, en bas, il y a un cristal. Oh, trop bien. Du coup, faudrait que je revienne la nuit pour utiliser ce terrain. Avec les bestioles, là, qui mangent tout. Le jeu doit être bien. Ouais, franchement, il est cool. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un jeu concours sur Discord. Et un autre sur Instagram pour gagner une copie du jeu. Tiens, tiens, qui voilà. Inspecteur Gadget. Coucou mamie. Bah je sais pas du tout où est-ce qu'elle est du coup la... Comment ça s'appelle déjà la... La ruine? Oui c'est ça que je cherche, la ruine. On va aller à celle d'en bas du coup. Ça je me souviens qu'il y en a une en bas. Enfin je crois. Vraiment je suis mais perdue. Peut-être pas par là du coup. Je me souviens qu'à l'aller, il y avait des ruines. Mais où est-ce qu'elles sont au retour? En fait, ce jeu, je passe mon temps mais à me perdre. Du coup, attendez, je vais repasser par là. Maintenant, je peux pas descendre là. J'en peux plus, je suis perdue. Bah non, là c'est de là que je viens. Non, bah je vais repasser par là. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se souviennent? Comment est-ce que je fais pour accéder à la ruine? Je sais qu'il y en a une en bas. Mais je sais plus du tout comment y accéder. Je vais essayer d'accéder par les terres brûlées au vent des landes de pierre. Il y a peut-être un accès par là du coup. C'est un labyrinthe ce truc. Ouais. Bah c'est fait exprès. Hein. C'est pour faire durer justement le jeu qui nous font un petit peu parcourir à droite à gauche. Chercher les choses. Et du coup c'est pas là-bas non plus, parce que là je reviens sur mes pas.
Là, il y a les blocs. Ah, mais attendez, c'est le gros cratère, ça. Le gros cratère, il est là. Il y a peut-être un passage là-bas. Je réfléchis, hein. Après, ça permet aussi de se revoir des zones que tu as pu oublier, que tu n'avais pas le niveau de faire. Bah, c'est ça, le jeu, il me fait vraiment me balader. Mais ouais, du coup, enfin, je vois où est-ce que je veux aller, mais je sais plus du tout comment y aller. Attendez, je vais ouvrir la carte. En plus, la carte, elle aide pas, quoi. Enfin, la carte, vraiment. C'est pas évident de se repérer dessus. Peut-être en passant par là. Bah, pas vraiment non plus. Ah, si, peut-être. Oh, attendez, j'ai une idée. Peut-être là-bas. Tu peux faire des vidéos Fortnite. C'est pas forcément prévu vu que c'est pas du tout un jeu qui m'intéresse. Pas par là-bas non plus. Fiu! Je suis perdue. Puis là que j'ai replanté des choses, bah ok, c'est joli, c'est végétal. Mais du coup, je m'y retrouve encore moins. Coucou Titi! J'ai fini de manger, j'ai mangé un gratin dauphinois avec la salade. C'est bon ça. Oh, attendez, si je me souviens, là-bas, il y avait un truc. Par contre, comment est-ce que je descends? Il y a une ruine là-bas, ça, je me souviens. Bon, je vais faire un big détour, du coup, pour y aller. Ça, je me souviens. Enfin, j'espère. Tu pourras faire un live mercredi soir sur SSO pour dire où sont les championnats. Tu sais, il y a plein de vidéos guides déjà sur internet. Il doit y avoir des guides déjà tout faits aussi, même pas en vidéo. Il n'y a pas besoin d'un live pour savoir quand est quel championnat. Coucou Agnès! Je mange des côtes de porc et gratin macaroni, miam. C'est bon ça. As-tu déjà joué à Ark? Je pense que ça pourrait te plaire. Ouais, j'y ai déjà joué, j'ai bien aimé. Mais le problème, c'est que mon PC le fait très mal tourner. Ouais, radioactivité. Ok, bah on va ramener la substance à Meredith. Mais j'aimerais bien trouver l'autre aussi. Comme ça, j'aurais pas besoin de le chercher plus tard. Parce que vu qu'ils ont mis plein de collectibles, ça veut dire qu'il y en a plusieurs à récupérer. Je vais du coup retourner dans la zone neige pour essayer de récupérer le dernier qui me manque. Mais zone neige, pas très accessible, hein. Tu joues à des jeux sur téléphone ou tablette? Presque pas, j'aime pas du tout jouer sur téléphone. Je trouve l'écran beaucoup trop petit. Ok, on retourne à la neige, une fois de plus. Mais ouais, je me souviens qu'il y avait dans la zone neige aussi une ruine. Je sais juste plus comment y accéder. Dommage, je pense que j'aurais aimé te voir en live dessus. Bah, ça viendra peut-être le jour où j'aurai changé de PC, mais ouais, c'est vrai que dans l'immédiat, ça tourne malheureusement pas. Il y aurait peut-être moyen de descendre par là. Non. Ah, puis en plus, je vois plein de déchets en bas. Il y a des choses que j'ai pas encore explorées en bas. Faut que je trouve le truc pour descendre. J'ai commencé un let's play sur Detroit Become Human. Ça fait pas trop de vues. Des conseils pour en faire plus. Des miniatures et des titres qui attirent l'œil. Après, c'est un peu comme tous les réseaux sociaux. Si de base tu fais pas beaucoup de vues, forcément tu seras pas référencé. C'est un petit peu la boucle infernale. Mais ouais, fais une miniature qui attire l'œil. Fais un titre qui attire l'œil.
qui donne envie de cliquer. Et après, derrière, faut aussi que bah, le contenu, le montage, il donne envie de regarder. Si c'est juste du let's play où il y a beaucoup de vide, il n'y a pas beaucoup d'effets ni rien, je suis pas sûre que ça intéresse encore grand monde. Attendez, je vais voir si je trouve. Parce que... Enfin... Au bout d'un moment, si c'était quelque part par là, je crois qu'elle était la ruine. Frosty Peaks. J'ai faim, haha, ça a l'air délicieux ce que tu manges. Mais en plus, moi, il faut que je fasse à manger ce soir. Moi qui lance un live jusqu'à je ne sais pas quelle heure et qui a même pas prévu ma bouffe de ce soir. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai publié il y a une heure. Bah, attends. Je récupère ma radioactivité et je jette un coup d'œil. Hop, je remove la radioactivité. Et après, il faut que je retourne à la base. Mais du coup, attends. Je clique sur toi 2 secondes. Est-ce qu'on peut encore cliquer sur les gens ? Ah, mais on peut plus accéder à la chaîne directement depuis les commentaires YouTube. Oh, c'est nul, ça. Ah bah du coup, non, j'irai pas voir, désolé. Parce que si j'avais juste à cliquer sur ton profil et que ça m'aurait redirigé dessus, ouais, ça aurait pu se faire. Mais là, du coup, c'est un petit peu galère. Parce que du coup, faut que je te retrouve. Et bah, avec ton pseudo, si de base, tu fais pas beaucoup de vues, je suis pas sûre que je vais tomber sur toi. Juste comment on fait pour jouer en même temps et filmer ? Avec OBS. Après, j'ai des vieilles vidéos montées. Bon, attends, je vais voir si je te trouve. Parce que ça se trouve, je suis médisante. Ça se trouve, t'es pas trop mal référencé. Attends, je regarde. Titi. Est-ce que je te trouve? Pas du tout. Non, je trouve pas ta chaîne. Du coup, à partir de ce moment-là, ça va être très compliqué de donner un avis dessus. Désolée, Titi. J'aurais bien voulu donner quelques conseils, mais du coup, ouais, j'arrive pas à la trouver. Detroit Become Human plaît beaucoup, mais il y a déjà beaucoup de let's play dispo en vidéo, pas facile de se démarquer des autres. C'est ça, et surtout si c'est un jeu qui est sorti depuis un moment, la hype, au bout d'un moment, elle est passée aussi. C'est un peu le problème, c'est très éphémère. Sauf si tu fais vraiment un truc concept qui se démarque, juste un let's play sur un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps. Ça a du mal à trouver ses adeptes. Sinon, ce qui perce en ce moment, Supermarket Simulator. Bon, je sais pas si ça pourrait t'intéresser, mais vraiment, c'est the truc pour faire des vues faciles. Tout le monde y joue, tout le monde regarde, il y a une giga hype autour. Moi, je vais emmener la médecine à la base, et après, moi, je vais faire une petite pause pipi. Parce que ça fait 2 heures, là, qu'on est en direct. Du coup, une pause pipi serait pas de refus. Bon, du coup, je suis contente, j'ai trouvé l'autre ruine aussi, parce que c'est vrai qu'après, j'aurais totalement oublié. Je l'aurais plus jamais retrouvé, je pense. Tu vas finir le live pour quelle heure? Bonne question, je sais pas du tout. OBS, c'est gratuit. Oui. Autant postuler en magasin et filmer ses journées de travail plutôt que de jouer à Supermarket Simulator. C'est pas faux ça, Nina. Au moins si un jour quelqu'un veut faire un Supermarket Simulator, IRL il peut. Ah bah ça, au moins c'est le concept inversé, tu vois. Les jeux de simulation, les faire IRL, c'est pas trop compliqué normalement. Bon, on va voir l'ancien du coup avec la médecine. Ah non, c'est Mérédie qu'on doit aller voir avec la médecine. Allons voir Mérédie du coup. Ou Médéry. Médéry plutôt. Allez, tiens. Médéry, je l'ai trouvé. Quoi? Super! Alors autorise-moi à juste prendre un petit échantillon de la substance, s'il te plaît. Si je mets une petite dose dans la médecine que j'ai préparée, les chimicaux... Enfin, les matières chimiques vont attaquer les cellules malades et les tuer et sauver l'ancien. Ok, ça a l'air risqué, mais vas-y, on tente.
Vas-y, t'inquiète frère, de toute façon, il n'y a pas 15 000 solutions. Il fallait que je fasse de la gelée pour pouvoir récupérer des ingrédients, pour pouvoir m'occuper des animaux malades. J'ai totalement zappé. Donner sa chimio à l'ancien. Ouais, super les quêtes sur ce jeu. Vas-y, je me fais quelques stocks de gelée. Mais en vrai de vrai, plutôt que de m'embêter à aller aux quatre coins de la map, faudra surtout que je fasse en sorte d'avoir les potagers directement sur place pour planter les trucs sur place et pouvoir planter et récolter sur place. Je pense que je ferai comme ça sur la fin. Ancien, on a fait de la médecine pour toi. J'ai pris toutes les précautions en préparant ce traitement. S'il te plaît, essaie-le. Tu as fait ça pour moi? Je suis émue par tes efforts. Je vais l'essayer. Je te fais plus confiance que notre menton éloigné. Ok. Quand est-ce qu'on saura si ça a marché? J'ai peur que ça n'a pas marché. Peut-être que la dose était trop basse ou le composant altéré. Ou je suis désolée. Ne sois pas désolée, Médéri, mais j'ai échoué. Non, même toi, tu ne peux pas combattre le cours de la nature. On a tous les deux essayé notre meilleur, c'est tout ce qui compte. Sniff, sniff. Coucou, Wolf Dark. Et du coup, prochaine quête, parce que du coup, ça n'a pas marché, mais c'est quoi la mission là? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, on retourne. Ah non, Ban? Non, c'est qui? Uzluk, l'ancien. Oui, j'ai entendu. Alors pourquoi es-tu ici? Je n'ai jamais été le genre de personne à mettre toutes mes gelées dans la même fourchette. Oh, il y a des stratégies qu'on n'a pas essayées. Alliance qu'on peut faire. Tu veux demander de l'aide aux ascendants? Je pensais que tu leur faisais pas confiance. J'ai dit ça. Je l'ai pensé aussi. Comment est-ce que je la traduis ça? Mais ils ont épaté Médéri avec leur technologie, donc ils doivent être capables de faire quelque chose. Bon bah, est-ce qu'ils vont nous aider? La mort. On a vu beaucoup d'entre vous succomber. On pensait que vous repoussiez. On oublie que vous n'êtes pas pour toujours. Oui, notre ancien. Il a dit que la vie de cette planète est plus importante que sa propre vie. On pensait que Boule est pour toujours aussi. Ça peut mourir, on le sait. Tu le ramènes à la vie. Tu peux le ramener à la vie. Non, tu peux te ramener à la vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le volcan, tu trouves une plante qui est pour toujours. Boule est mort deux fois. Nous, on n'est pas mort. L'oasis n'est pas mort. La plante n'est pas mort. Prends-en. Fais ton propre pas mort. C'est incroyable. Tu penses que cet endroit peut sauver l'ancien? Mais le volcan est si haut, je n'ai aucune idée comment y aller. Ta graine tombe du ciel. Retrouve-nous là-bas, on va te montrer. Tu veux dire dans mon pod où il est tombé? Ok, j'y serai. Ok, bon, on va aller au pod. Très bien. Alors Wolf Dark, le jeu, c'est Distant Bloom. C'est un petit jeu de farming. Enfin, c'est pas du farming, c'est plus de l'exploration chill. On doit replanter la planète, on doit la dépolluer, on doit chercher des collectibles un peu à droite à gauche et résoudre des puzzles. Mais juste avant d'aller au pod, moi je vais aller au pot. Voilà, cette blague. Oh, cette blague était nulle. Je vais aller vite fait au petit coin faire une petite pause pipi. Du coup, je vous dis à dans 5 minutes!
Heureux! Désolée, j'étais en train de batailler avec le chat pour qu'elle sorte de ma chambre, parce que sinon elle me démonte le décor derrière, c'est pas très pratique. J'espère que vous allez toujours bien. Recoucou, le jeu se joue sur quoi? Tablette, téléphone, ordinateur. Sur ordinateur! Ah, t'as fini de manger, c'est 19? T'as mangé quoi de bon du coup? Nina qui nous décrit la vie de Unicornis. Et encore, elle la connaît moins en détail que Lucas. Lucas, il a des détails qu'il n'aimerait pas avoir, je pense. Ou pire, le pire c'est Marie. Marie, elle a vraiment les pires détails. Des fois, Marie, elle reçoit des messages vocaux quand je suis aux toilettes. C'est vraiment très glamour. Tu peux faire un live sur Star Stable, s'il te plaît? Pas aujourd'hui, désolée. Je dois éplucher mes patates pour mon repas, j'ai la flemme. Vous croyez que le chat voudra bien s'y coller? Bah, je pense pas qu'elles sont très bien épluchées, quoi. On va peut-être être un peu mordillé, un peu déchiqueté, mais j'y crois pas trop qu'il va les planter, quoi. Enfin, les planter, les faire pousser. Ok, là, on a de la fougère, de l'herbe. Vas-y, je vais tenter. Champignons. Cactus. Testons le cactus. Et un arbre. Ah, oh ouais, ça s'est giga bien replanté. Trop contente. Ok. Pas mal ça, pas mal. Ah, zut. J'ai viré le champignon alors que je voulais pas du tout l'enlever. Je voulais regarder un petit peu au niveau de ce que je peux récolter dessus. Pas grand chose intéressant, hein. Faudra vraiment que je me fasse mon potager à moi pour récupérer les trucs directement sur place. Ah, mais ici aussi je peux améliorer. Je vais faire à manger, je reviens après. Bon app à tous. Je ne vous revois pas, je vous dis bonne soirée. Bisous, bisous moutarde! Idée de vidéo, je teste toutes les toilettes de France. OMG, il y a des dingueries. Il y a surtout des trucs très crades. Mais c'est vrai que ça pourrait faire une vidéo concept, genre des revues de toilettes. Ça pourrait être drôle. J'ai mis une fougère à côté de la fougère, c'était pas l'idée du siècle. On va mettre un cactus. Voilà. Tu te replantes? Ouais, trop bien. Parce que faut que je mette en état quand même le chemin par lequel je suis venue, comme ça c'est plus joli. Je joue à Roblox et j'écoute le live. Ça marche, Christophe. Tu connais Alyssa Shadowbaker? Oui. Oui, je connais Alyssa Shadowbaker. J'ai planté des trucs ici aussi. Tu noterais la propreté. La propreté, l'ambiance sonore. Qu'est-ce qui peut être noté d'autre? Le fait s'il y a du papier ou pas, enfin les différentes commodités. Et éventuellement aussi le type de toilette. Genre les toilettes turques, juste c'est chiant. On n'est plus au Moyen-Âge, arrêtez de faire des toilettes turques. Bah non, c'est de là que je viens. Si, non, c'est de là que je viens justement. C'est là qu'il faut que j'aille. Mais c'était pas là que je devais aller. Très bien. Attendez, je cherche où est-ce que je devais aller. Le point d'exclamation. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, l'ascendant. Ah oui, il va m'envoyer au volcan, c'est ça? Ou alors il va se transformer en pilier. On est sur place. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Autre côté, à travers le fossé, un pilier pour t'emmener plus loin. Mais il n'y a pas de chemin pour moi et Kéké pour l'atteindre. Peut-être si on arrive à faire planter, enfin à faire prendre la racine. Ton travail pour restaurer Boule et prendre des décisions pour préserver m'a prouvé que tu étais un ami et en tant qu'ami, on s'aide. Du coup, il va se transformer en pilier. Ah, c'est ça. Non? Ah non, c'est lui qui va faire planter la. Celui qui va faire grandir la racine. Oh, c'est gentil ça.
Laura, ma copine, essaye de rejoindre le live. Comment ça, essaye? Elle rencontre des difficultés avec quelque chose? Oh, il y a des nouvelles plantes ici, c'est trop stylé. Je vais récolter des graines aussi, s'il y a des graines dessus. Non, attendez, je veux pas le scanner. Je range du coup la scanneuse. Ah oh, oui, c'est des nouvelles graines. Oh, trop bien. Spicy paste. Ok, ça va être plutôt pratique ça pour les remèdes, je pense. Allez, c'est parti, on va de l'autre côté. Oh, on vole proche de la lave là. Fait un peu chaud. Ok, on a découvert le volcan. L'ambiance sonore, un petit bruit de mer dans le fond. Un petit bruit de paix dans le fond surtout. Non, des fois il y a de la radio, genre des fois ils mettent de la musique classique, des fois c'est les news de... Genre s'il y a des accidents, des fois c'est un podcast, enfin il y a différentes ambiances sonores quoi en fonction de quelle station ils ont mis. Genre par exemple j'aime bien le métal mais c'est pas la meilleure ambiance sonore pour faire ma petite affaire sur les toilettes quoi. Allez, semez-vous. Ah, mais ça m'a mis des champignons à côté des champignons. Et le volcan, il est pas content. On va tester un petit cactus ici. Ouais, et moi de la pelouse. Pas très original. Voilà, comme ça se sème. Je récupère quelques graines. Coucou un duo parfait. Coucou Clémy. Je viens de sortir du travail. Je n'ai pas pu me rejoindre à vous plus tôt, mais j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bah moi ça va, j'ai passé une très bonne journée. J'espère que toi aussi. Init, to init en majuscule le code, mais il est plus valable, non? C'est un ancien. Bah non, ça c'est un cul-de-sac, on va prendre la racine. Je suis venue sur le live uniquement pour te parler, en plus ça fait du bien de parler avec toi. Moi je suis ravie de t'apporter un peu de réconfort. Après tu peux parler avec les autres personnes aussi, si tu veux. Tu sais quand Alicia fait un live, pas de sitôt, je crois qu'elle est beaucoup prise par ses études actuellement, si j'ai bien tout suivi. J'ai trop hâte demain, je vais aller aider aux écuries. Je me suis enfin motivée à y aller le mercredi, le samedi et peut-être le vendredi après les cours. Oh, c'est chouette ça, Joy. Tu verras, c'est trop bien de donner un coup de main aux écuries. Ok, ça se sème. Là, on va essayer avec une pelouse. J'espère juste que le volcan va pas m'exploser à la figure, ce serait un peu dommage. J'adore tes lives, tu as toujours de la bonne humeur et Ali aussi. Merci beaucoup, un duo parfait. Vous avez un cheval à vous. Moi non. Moi je suis cavalière de club. Par contre, le volcan là, il a volonté de nuire. Attendez, là je reviens sur mes pas. Ouais, non, c'est pas du tout par là que je suis censée aller. Je me perds. J'ai des chevauchelets, ça compte. Ah ça j'avoue, ça j'en ai plein aussi, Nina. J'en ai au moins 10 des chevauchelets d'ailleurs. Du coup, fougère. Non, c'est de l'herbe, c'est pas grave. Ça pousse pareil, fougère. On va tester le champignon. Non, c'est un cactus, ça marche quand même. Champignon, du coup. Et... graines. Ouais. Ok, je suis pas en train de faire les meilleurs combos, mais en vrai j'ai tellement de graines en rab que je peux me permettre de planter ça un peu n'importe comment, je pense.
J'en ai une bonne quarantaine, je pense. Ils prennent un peu la poussière, mais en même temps, pas envie de les revendre. Mais pareil, genre, tous mes... Moi, c'est plus les Playmobil, parce que les Schley, ça, c'est sûr, je les garde, mais genre, j'ai plein de Playmobil. Je joue plus du tout avec, mais d'un autre côté, enfin, j'ai pas envie de les vendre non plus. Récupérons un peu de graines. J'ai une cinquantaine de schley. Oh, ça fait beaucoup. Je vais me laver si je reviens pas avant la fin du live. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça marche, Kevin. Bah, bon lavage à toi. Du coup, ça, c'est la nouvelle racine. Donc, faut que j'aille là-bas. Mais en vrai, la zone du volcan, elle est archi simple par rapport à toutes les zones qu'on a eues avant. Mais je pense que c'est parce que je me prends beaucoup plus la tête à explorer que ce que c'est nécessaire. Et du coup, là, la zone du volcan qui est assez linéaire, elle me paraît archi simple. Je mange, mais je regarde le live en même temps. Je te fais un petit fond sonore pendant le repas, du coup, Noah. Mon père a deux caisses de Playmobil au garage. On n'a jamais voulu les jeter pour nos futurs gosses. Mes frères et moi, du coup, ils attendent les héritiers. T'as prévu de faire des gosses, du coup, si tu prévois de leur léguer tes Playmobil, ou c'est plus pour tes frères, du coup? Parce que j'avoue que moi, garder les jouets pour les enfants, j'ai pas forcément prévu de devenir parent, donc je sais pas si un jour il y aura à nouveau quelqu'un qui jouera avec. Je mettrais bien un arbre ici. Ouais. Une petite herbe. Ah, ça s'est bien ressemé là. Un petit champignon. Et une petite fougère pour terminer la parcelle. Sans schley avec ceux de ma soeur. Oh, énorme. J'en ai moins que toi. Après, il y en a vraiment qui en ont énormément là sur le live. J'en voudrais au moins un, mais pour le moment, ça me fait flipper de ouf pour un paquet de raisons, mais on commence à en parler sérieusement avec un de mes copains. Ça marche. J'avoue que je me sens pas du tout prête à devenir maman. J'arrive à peine à me gérer moi-même, je commence enfin à m'en sortir avec le chat. Genre, un môme, c'est beaucoup trop complexe. Pour l'instant, en tout cas. Les couleurs des noms veulent dire quoi? Alors les verts c'est les sponsors et les bleus c'est les modérateurs. Stylé ce volcan quand même. Ok, j'arrive du coup à la dernière parcelle. Ça doit être la plante que Tantour a décrit. Elle est incroyable. C'est incroyable qu'elle puisse survivre dans cet environnement. Oh, je fonds. Oui, prenons vite quelques graines de cette plante. Allons-nous-en avant qu'on devienne des cendres. Ok, bah dépêchons-nous. Mais comment est-ce que je récupère des... Faut que je la scanne. Faut que je lui mette des trucs autour, en fait, pour qu'elle me donne des graines. On va faire le classico-classique arbre-fougère. Hein. Arbre. Fougère. Comme ça, elle se retrouve en fleurs. Je vais pouvoir récupérer des graines. Oh, il y a une porte qui s'ouvre. C'est bien ça. Oh, je suis pas pressée, hein. En vrai, de vrai, je suis tentée de jeter une gelée dessus pour récupérer encore plus de graines sur... Voilà. Comme ça, je récolte. Et surtout, je récupère un peu des ingrédients. Allez. On retourne à l'oasis.
J'étais pas prête à être parent non plus, mais m'occuper de mon beau-fils m'a un peu aidée à prendre confiance. J'ai une vue amoureuse spéciale, du coup ça m'a donné confiance pour un éventuellement. Ah oui, du coup si t'as eu un peu d'expérience avec des gosses, ça aide. J'avoue que j'ai jamais touché un enfant de ma vie. Genre même tenir un bébé dans mes bras, j'ai jamais fait, donc le faire un jour avec le mien, j'y crois pas trop. Coucou Zitox, comment ça va? Tout le monde, qu'est-ce qui se passe? L'ancien est tombé dans les pommes. Nous avons pas pu attendre que tu retournes à la base. S'il vous plaît, dis-moi que tu as quelque chose. Oui, j'ai trouvé la plante que ta tour a parlé. Elle se régénère si vite. Bah, du coup, on lui donne la plante. Ok, on lui donne, la mange. Allez, mange la plante. Ça va aussi, Zitox. Oh, merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup, C19. Vous êtes adorable. Bon, il n'a pas aimé le goût de la plante, apparemment. Qu'est-ce qui arrive? Observe. Il a une meilleure circulation et une meilleure mobilité. Comment te sens-tu? Je me sens revivre. Comme si un poids avait été enlevé. Mais je ne ferai pas une cascade tout de suite. Ah, du coup, il est à nouveau en vie, trop bien. On va retourner à la maison, mais du coup, je pense que c'est un peu ça le plot twist final de l'histoire, non? Là, du coup, c'est que des collectibles. C'est ça, on a fini le jeu. Nice! La petite musique de fin, c'est sympa. Mais du coup, c'est ça le Slender qu'on aurait dû secourir et qu'on n'a pas secouru. Bon, je passe hein, la cinématique de fin, c'est pas qu'on s'en tartine, mais un peu quand même. Hein. Est-ce que je peux continuer en jeu libre? Oui, je pourrais du coup continuer en jeu libre. Mais puisqu'il n'y a plus de quête, je crois, si je vois quelqu'un qui a une quête pour moi. Ah, l'ancien. Ah, je voulais te voir. Ça fait plaisir de te revoir à nouveau, ancien. Eh bien, c'est grâce à toi et à nos nouveaux amis. Bon. Du coup, il est content, il est à nouveau en vie. Du coup, on va rejoindre Tantour à l'Oasis. Ok. C'est pas totalement fini quand même. Mais la trame scénaristique principale est terminée, donc je pense que le live va s'arrêter dans pas trop longtemps, parce que les quêtes secondaires, je pense que je vais les faire dans mon coin. Live pour les 100%. Oh, ça va être long les 100%. Non, je pense que je vais les faire dans mon coin. Je sais pas. Je verrai. Je verrai en fonction de ma motivation. De toute façon, je pense pas que je vais continuer ce soir. Hé, hey, t'entoure, je veux dire... Oh! Oui! Tu peux l'être si tu aimes les chapeaux. J'aime les chapeaux. Quand Boule est mort à cause du volcan, nous avons ascendu. Nous avons laissé nos corps derrière nous, nos maisons derrière nous, nos besoins derrière nous. Nous sommes devenus un. Nous, j'étais chapelier. Je ne peux pas laisser ça derrière moi. Ça doit être dur de perdre tout ça, une part de ton identité. Oui, on n'a pas d'utilité pour des choses, mais on a pour toujours de la mémoire et du temps. Va dehors et regarde où nous avons vécu. Le pilier violet va t'y emmener. Ah, il est violet, le nouveau pilier. J'aurais pensé qu'il soit jaune. Oh, j'ai la voix qui part de plus en plus en steak. C'est le dernier. Explore plus. Ok, bah il y a plein d'endroits où on n'a pas encore visité. On va pouvoir continuer notre aventure. Mais moi, je pense que je vais arrêter là pour ce soir puisqu'on a terminé la trame scénaristique principale. Comme ça, je vais pouvoir tranquillement aller préparer mon dîner parce que j'avais toujours rien de préparé. Et qu'il est déjà 20h30.
Du coup, j'ai pas envie de manger trop tard, donc ouais. Je vais arrêter là pour ce soir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Distant Bloom. Je sais que ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude sur cette chaîne, mais je me dis, ça peut être sympa aussi de temps en temps de jouer à d'autres types de jeux, et c'est vrai qu'il est quand même très mignon. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais de gros bisous, et à demain, soit pour le live, soit pour la vidéo mise à jour, en fonction de ce que je ferai en premier. Allez, bisous! Thank you.